de retard, Apple va enfin présenter sa nouvelle collection d'iPhone. Pas moins de 4 nouveaux iPhone 12 sont attendus cette année, ainsi qu'en guise de One More Thing, une Apple TV 6, un tracker d'objets, un HomePod mini, voire un nouveau casque à réduction de bruit, et pourquoi pas, un chargeur à induction ou un Mac Apple Silicone. Bref, une belle keynote en perspective que nous allons couvrir en direct. Et bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias, c'est Aurélien, très heureux, vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour notre débat high-tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité de nous suivre comme chaque semaine et comme chaque Apple Keynote en live. Et n'hésitez pas à nous soutenir et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et d'abord, simplement un grand merci, un énorme merci à toute l'équipe d'On refait le Mac. Je crois qu'on peut les applaudir ce soir. C'est un miracle si on est en direct ce soir. Il y a encore des câbles dans tous les sens. On a passé notre week-end à tout recabler le studio. Et on est très fiers d'être avec vous ce soir pour commenter la keynote d'Apple qui va débuter dans quelques minutes seulement du côté de l'Apple Park à Cupertino. Et pour la commenter à mes côtés, j'ai beaucoup de chance avec comme chroniqueur cette semaine en plateau Laurent Pantanache de Augustus AI. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. À ses côtés, Damien Douani, expert digital et chroniqueur tech sur BFM Business. Bonjour Damien, ça va ? Bonjour, je me tourne bien parce que la dernière fois, on nous a fait des remarques comme quoi on se parlait de trop près, donc je me tourne. Bonjour ! Voilà. Et à mes côtés, mon ami et infidèle Stéphane Zibi de Unistic. Ça va Stéphane ? Ça va mieux. Tu es prêt à faire chauffer la carte bleue ? Déjà, je préviens tout le monde déjà pour éviter trop de remarques sur le chat. Je vais bien, je suis négatif et je suis entre guillemets immunisé. On est séparé par un plexiglas. On a gagné un plexiglas. Voilà. Et donc, il y a... Je peux l'embrasser, lui faire des câlins. Exactement. Etc. Donc, tout va bien. Et la carte bleue, elle est toujours prête d'octobre à novembre. Là, ça va être le cas. Plus que d'habitude. Et allez, c'est pas pour les cadeaux de Noël. On est fin prêt pour cette canette. Vous avez vos notes, vous avez révisé, vous avez toutes vos petites fiches. Allez, alors. Les derniers leaks, les dernières informations qu'on a. On va y arriver. Ouais. Sont violentes quand même, hein. ça s'est accéléré dans la dernière ligne droite. Alors, on vous rappelle quand même qu'on a mis un dispositif spécial pour cet Apple Event, avec d'un côté notre duo de chroniqueurs qui sera en charge de d'écrire et traduire en direct tout ce qui va se passer du côté de l'Apple Park, hein. Et ce sera donc Laurent et Damien qui vont s'en charger, qui seront en première ligne, et Stéphane et moi, on va se charger plutôt de prendre un peu de recul, essayer d'analyser, bien sûr, en fonction des annonces pendant les temps morts, hein. Un changement nécessaire, on le répète, parce que c'était une demande, vous le savez, d'Apple, les règles ont changé du côté de Cupertino, nous ne pouvons plus diffuser l'intégralité de la vidéo d'Apple, de la conférence, mais uniquement des extraits, ce que nous allons faire. Il y aura donc des vidéos ce soir, tout au long de ce live, mais surtout beaucoup de photos, vous le savez, vous aurez des temps morts, les produits sous toutes les coutures. En régie, vous allez voir, ils sont prêts, ça va être super. Enfin, si vous avez voulez simplement suivre l'intégralité de la vidéo d'Apple, c'est très facile, vous ouvrez une deuxième fenêtre à côté, vous lancez l'Apple Event et nous, on se chargera de vous la faire vivre en direct et vous la traduire en temps réel. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à réagir en direct. Et puis, je vais essayer de me collecter, moi, sur le compte Twitter d'Enfait le Mac et de collecter vos questions sur le compte d'Enfait le Mac et sur le chat de YouTube. Vous êtes nombreux déjà. Les amis, je vous propose que l'on parle des nouveaux iPhones. Hein. C'est le premier thème de cette soirée. Pas moins de 4 nouveaux iPhone 12 sont attendus du côté de Cupertino. Alors, on a reçu les maquettes il y a plusieurs semaines déjà. On les a déjà dévoilées sur tous les coutures des mois derniers. On les avait déjà reçues lors de notre précédent Apple Event. La principale attraction, les amis, cette année, c'est l'arrivée d'un iPhone 12 mini, hein, équipé d'un écran de 5,4 pouces. Plus petit, nettement plus petit que le 6,1 pouces. Hein. Alors, que pensez-vous de cet iPhone mini, hein? C'était l'objet de notre premier sondage sur le compte Twitter d'Aurélien TV. Vous étiez près de 400 à voter et répondre à cette question. Écoutez, il devrait être dévoilé mardi soir lors de l'Apple Event. Seriez-vous prêt à acheter un iPhone mini plus petit que la plupart des smartphones? Et vous étiez 62% à répondre non et 38% à répondre oui. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de cet iPhone mini? Vous avez eu la maquette en main avant l'émission. 5,4 pouces, c'est vraiment proche de l'iPhone SE, mais c'est même plus petit que l'iPhone SE et sans les bordures. Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Stéphane. En fait, ça m'a fait penser à quelques personnes de mon entourage, et en particulier une personne, Stéphane Distinguin de Faber Novel, qui a toujours un iPhone avec un grand écran et un Nokia qu'il collectionne parce qu'il dit que c'est plus simple, plus petit, plus pratique. On est certain à avoir plusieurs téléphones. Et en fait, pour certains, ça pourrait être vraiment bien d'avoir ce petit qui pourrait être pas seulement pour les ados,
mais pour ceux qui veulent pas abîmer leur veste de costume ou quoi que ce soit. Donc c'est une heureuse surprise si c'est vraiment le cas, Olivier. Ouais, les Amiens sentaient bien, que ce soit Damien ou Laurent, qu'il y a une demande des historiques de l'iPhone, hein, de revenir à un format plus simple, plus petit que ces formats king size. Ouais, ce qui est intéressant, c'est la semaine dernière, en faisant un peu de rangement, je suis tombé sur, je pense, c'est le plus petit GSM qui est jamais sorti. C'est un Sony Ericsson qui est grand comme ça. Et ouais, je l'amènerai la prochaine fois. Mais vraiment, non, c'est vraiment, même moi j'avais oublié, et il fonctionne. Je l'ai branché, je l'ai chargé, il fonctionne. En fait, je me suis dit, c'est marrant, on est parti de cabine téléphonique transportable, on est arrivé vers cette taille microscopique, et puis les écrans couleurs sont arrivés, un peu de multimédia, et les écrans, on a regrandi vers quelque chose d'immense. Et là, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle, et on redescend vers des petites tailles, peut-être en complément, peut-être dans un autre usage. Je suis pas sûr que le fait que des gens aient deux téléphones soit si nombreux que ça. Non, hein. Parce que ça peut être moins cher, en dehors du monde professionnel, hein. Dans le monde professionnel, ça peut arriver. Mais par contre, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se trouver contents de se dire j'ai dans la poche un téléphone d'une taille acceptable pour pas que ce soit trop lourd, un pavé grand. Dans la poche. Ouais. Damien, un gilet pare-balles, ça fait parfois. Ouais, ça peut sauver la vie, Damien. Le Max, le Pro Max dans la poche du costume. Oui, je partage. On a vu les vidéos, tu sais, dans le sommaire. Et il est assez étonnamment, il m'a beaucoup séduit cet écran. Moi, j'ai un peu de mal avec les yeux. Hein, je commence à vieillir, les enfants. Mais, ah bon, mais le format me plaît beaucoup. Il y a une demande pour les petits appareils, pour les mettre dans les poches, dans les sacs, les ados, parce qu'il est moins cher, il peut tenir dans la poche du jean. Il y a plein de demandes comme ça. Moi, je vois, mais il y a aussi les personnes plus âgées. Je vois mes parents, je leur ai filé un iPhone 8 Plus, il est trop grand. Il est trop grand. Donc, très clairement, il y a quelque chose qui va se jouer là-dessus. D'ailleurs, ma mère a gardé le son 6 qu'elle avait, tu vois. Donc, la preuve que le format lui va. Alors, que les aficionados des iPhones qui se rassurent, les iPhone 12 disposeront toujours d'une version plus grande, une version 6,1 pouces. Et puis, l'iPhone 12 Pro, lui, va se décliner en 5,8 et la version Pro Max sera un peu plus grande, 6,7. Alors, on s'attendait vraiment à avoir un phablette. Et puis, quand on a reçu les maquettes, encore une fois, c'est un peu plus grand. C'est pas non plus révolutionnaire. On gagne un petit peu en espace. Mais ça reste quand même un sacré pavé à mettre dans la poche. Moi, c'est ce que j'utilise depuis la sortie de l'iPhone 7 Plus et j'en suis plutôt content de ces formats-là. Bah oui. Bah en plus, c'est devenu quasiment un standard. Tous les principaux téléphones qui se vendent, à savoir les Huawei et les Samsung, ont aussi adopté ça. Donc, c'est quand même chose de standard. Et on s'est habitué à cette grandeur et aussi donc, avec les difficultés pour les charger parce que les batteries... Les écrans se sont agrandis, mais la batterie a rapetissé, ce qui était l'inverse avec les téléphones que tu évoquais, qui pouvaient durer une semaine. Mais, voire même plus, 14 jours, je crois, mon record. Je crois. Ça sera vraiment le défaut, a priori, du petit modèle, hein, parce qu'il aura moins de batterie. Donc, c'est peut-être là on annonce déjà une heure de batterie en moins, hein, pour ce modèle-là par rapport aux autres. Là, on voit les vidéos. Hein. Ouais. Attention quand même, hein, je faisais l'essai l'autre jour d'un téléphone, j'ai un iPhone SE, que j'ai laissé en mode avion. Ok, donc... téléphone, je l'ai récupéré plus d'une semaine après, il était encore chargé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une grosse partie de la consommation, c'est l'extrême usage que l'on fait de nos téléphones. Ouais. Connectés, l'écran allumé. À l'époque, quand tu avais un écran de la taille d'un timbre-poste, d'un timbre-poste en noir et blanc, bah, tu ne passais pas ta journée à part à jouer à Snake. Y avait pas... Ça me rappelle des souvenirs sur mon Nokia N95. Pas de surprise, messieurs, du côté du design. Hein, il a été dévoilé il y a des mois. À part les couleurs, il n'y a pas de grande nouveauté. Il reprendrait le design d'Amiens. Une grande nouveauté quand même. On a un nouveau form factor quand même. Oui, mais ça rappelle regarder quand même l'iPhone 4, l'iPhone 5 et l'iPad Pro. Hein, c'est des itérations qui rappellent aussi l'iPhone 4. On aura une encoche légèrement différente. Oui, on gagne dizaines de millimètres. Voilà, exactement. Apparemment, on aurait une encoche un peu différente. Donc quand même, on a un nouveau form factor par rapport aux précédents iPhone que nous avons en ce moment dans nos poches. Et voilà, et je pense que ça va marquer, je pense, une nouvelle histoire, un nouveau cycle de 3 ans, 3-4 ans minimum, voire même plus, si tout va bien. Dans la question que dont je me pose, c'est est-ce qu'il y aura un LiDAR ou pas qui sera intégré comme dans l'iPad? Il y a de fortes chances, j'imagine. Il y a de grandes chances pour pouvoir préfigurer l'augmentation de l'application en réalité augmentée. Ouais. Ouais. C'est ça la principale nouveauté attendue côté photo, c'est l'arrivée d'un LiDAR. On ne sait pas trop à quoi ça va servir, on ne sait pas trop à quoi ça sert aussi du côté... de l'iPad aujourd'hui, à part peut-être l'application IKEA. Mais on sent qu'il y a un chantier de fond qui se prépare autour de la réalité augmentée, peut-être avec Laurent, du côté d'Apple, brièvement. Laurent ? Oui. Oui. Non, mais j'ai... Oui. T'es pas convaincu, toi ? Non.
Tu sais, c'est, non, mais ça fait partie de ces sujets. On en parle depuis. Je vous rappelais la première démo à la WWDC avec un Lego, l'appli Lego. Et en fait, chaque année, on a un petit pas incrémental sur ce sujet. Donc, bon. Oui, mais le LIDAR permet d'avoir une meilleure mesure des distances, donc d'avoir une meilleure intégration dans l'espace des objets virtuels. C'était le principal problème qu'il y avait aujourd'hui. Donc, ça peut permettre véritablement d'aller peut-être. Mais t'as raison, ça va pas être la révolution, c'est un pas de plus. La vraie attente, toi qui aimes beaucoup la photo et toi qui les compares tout le temps avec notamment les Samsung que tu achètes chaque année pour les comparer en termes de photos, le vrai déficit côté photo pure, c'est le téléobjectif, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui à l'iPhone. Le téléobjectif est très puissant, le zoom est incroyable. Sur le Samsung, hein. Sur le Huawei. Et plus que le Samsung. Ouais, la photo que tu m'as envoyée cet été où tu as zoomé sur une lune, c'est juste incroyable. C'est, voilà, exactement. Et ça, je pense que ce sera difficilement rattrapable. Il y aura toujours au moins un an, voire au moins deux ans d'avance des constructeurs asiatiques par rapport à l'iPhone. Mais bon, quand même, on préfère iOS. Mmh. Et ça reste inégalable. Alors, oui, enfin, on va voir. Peut-être qu'on aura des surprises du côté Android. On ne sait pas. Vous avez vu sur le plan large qu'à côté, on a la keynote. Dès qu'elle démarre, on basculera du côté de l'Apple Park. C'est une. Évidemment, il y a une keynote qui n'est pas présentielle, donc tout a été enregistré. Et rondement préparé. Et rondement préparé, je trouve ça assez dynamique, moi j'aime bien. L'autre nouveauté, on l'a presque oublié au fil des mois, c'est quand même l'arrivée enfin de la 5G. Damien, je vois que tu dis oui. Du côté d'Apple. Ça c'est sûr. D'ailleurs, la soirée s'appelle High Speed, c'est pas un hasard. Ah bon, tu crois, franchement? Ben oui. Je ne vois pas pourquoi. Si tu appelles ça High Speed et que tu dis que les téléphones sont tous 4G, ouais. Donc que tu fais un deux ans de retard quand même, Apple avait pris face à la concurrence. Hein. Près de deux ans par rapport à Samsung notamment. Oui, mais la question, c'est est-ce que la 5G est diffusée? Est-ce qu'elle est installée aujourd'hui? Je ne parle pas de l'Asie. Hein. Elle va l'être en décembre. On a oui, les mais c'est justement, ça tombe bien. Bah c'est le moment ou jamais. Oui, sûr, juste au moment. Pas besoin de sortir un téléphone il y a six mois. Il y a quand même un doute sur les fréquences. On a vu ça chez notre ami Didier, hein, qui a la gentillesse et l'amitié de nous diffuser sur Mac Forever, donc on salue tous les internautes de Mac Forever qui nous regardent en direct. Un doute sur l'une des fréquences qui serait utilisée pour les 5G. On sait qu'il y a une multitude, un large éventail de fréquences et on sait peut-être que les iPhones n'adopteraient pas toutes les fréquences. Dans certains pays, il y aurait quelques difficultés de captation. On va voir ça. On sait que ça a déjà été le cas dans le passé. Souviens-toi de l'iPhone 5 qui ne captait pas la 4G. Hein. Ah, même le premier. Premier iPhone, il était pas carrément pas 3G. Ils étaient en edge. Ils avaient juste oublié la 4G. Donc, en gros, on va dire que c'est commun, on va dire. Ouais. Mais bon, j'espère quand même qu'on n'aura pas de mauvaises surprises par rapport aux fréquences et qu'on n'ait pas des problèmes de. Ça commence. En tout cas, ah ben, voilà. Alors que ça commence du côté de San Francisco, de Cupertino. Voilà, vous êtes un peu en avance sur nous, mais très bien. Si ça commence, il faudrait que tu nous fasses un petit refresh, mon cher. Ah oui. Voilà. Tout ciel étoilé. On voit la vue sur l'Apple Park. Animée, toujours l'Apple Park. Hein. On voit la vue sur l'Apple Park pour l'instant. Et puis dès que notre ami Steve apparaît, on viendra. Moi j'aime bien finalement. Le coronavirus, ça les a obligés à sortir du format habituel de la keynote qui était héritée de Steve Jobs pour aller vers quelque chose qui est un format plus léché, mais qui paradoxalement montre l'intérieur d'Apple, ce qui était pourtant pour une boîte super secrète. Et l'inverse de ce qu'ils faisaient d'habitude. J'aime beaucoup ça. Alors, messieurs, vous êtes au taquet. Laurent, Damien, prêts à traduire en temps réel ce que va nous dire l'ami Tim Cook qui va apparaître dans quelques instants. On est prêt à basculer en régie sur Tim Cook qui va apparaître. On va vous le laisser quelques instants pour vraiment vous montrer les vidéos plutôt des produits puisqu'on est limité en diffusion de vidéos. On préfère vous garder la primeur de la vidéo, de l'iPhone et puis du HomePod qui a fuité. On essaiera de montrer une image un peu plus tard hein, parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Et voilà, Tim Cook, on peut peut-être basculer si vous êtes d'accord en régie pour lui faire un petit coucou. Et c'est à vous, messieurs, de prendre le relais. Donc bon, arrivé de Tim Cook, hein, très content de nous retrouver. Un petit rappel sur la keynote d'il y a un mois. Hein. On vous remercie d'ailleurs d'avoir été si nombreux à la suivre. On se demande même s'il n'a pas enregistré l'autre, tellement il est habillé pareil, tellement c'est le même décor. Hein. Bon, en même temps, d'Apple Park, il n'y en a qu'un seul. Hein, donc, Faut que tu ailles sur le voilà. On va plutôt on constate que Jake positionne sur la maison. Enfin, Oui, après le Covid a un impact fort sur le fait que tu sois confiné, encore plus aux États-Unis et en Californie que pour nous. Hein. Alors, les trois clés secrètes, les trois clés, voilà. La facilité d'utilisation et setup et lancement au départ. Donc,
Ça, c'est l'ADN d'Apple, c'est ça ? Oui. Le deuxième truc, c'est le fait que ça s'intègre, hein, les produits s'intègrent. Bien sûr, le deuxième truc, c'est la sécurité. Non, l'intégration, la deuxième. Oui, et le troisième, c'est la sécurité. La sécurité. Pardon. Oui. Donc, pour l'instant, on insiste en résumé. Et on commence par HomePod, quand même, hein. Bon, on commence pour démarrer, hein. C'est la mise-bouche. On se chauffe sur l'HomePod. Alors, en résumé, avant que vous décriviez le produit, l'HomePod, c'est un petit peu le vilain petit canard de la gamme Apple, hein. C'est l'enceinte qui a du mal. Moi, je pense que ça va être un produit clé dans la maison. Alors, en essayant de ne pas tous en parler en même temps, les amis, mais juste un mot sur l'HomePod, c'est un produit qui a du mal à décoller en termes de vente, ça a du mal à décoller en termes d'usage, c'est une excellente enceinte, mais Siri a pris du retard. On va basculer. On attaque sur le HomePod. Sur le HomePod, et peut-être on peut vous le montrer en direct, s'il vous plaît, messieurs. Il semble bien ressembler à ce qu'on a vu sur les leaks. Exactement. Attention, il va arriver. Je fais le pari que le nouvel HomePod va être une clé de. Le voilà, c'est ça, en vidéo. HomePod Mini. Le HomePod Mini, il me rappelle à mon petit Unlimited Ears que j'adore. Donc, une version mini de HomePod. La rumeur avait raison. Il vient d'arriver. Bon, première annonce, HomePod Mini. Compact. La rumeur annoncée autour de $150, on va voir le prix. Vous pouvez reprendre le relais, les amis. Il est plus joli en version animée que sur les leaks qu'on avait pu voir cet après-midi. Hein. Alors, voilà, on a un peu coupé le sommet pour faire apparaître Siri. Et c'est Bob Borchers, le VP Worldwide Product Marketing, qui prend le relais. Il ressemble à Antoine Decaune. Ça ressemble quand même à un pot de fleurs, hein, c'est vu de profil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qui est beautiful avec ce produit ? Alors, on garde toujours la surface tactile, mais avec... éclairé beaucoup plus large. Voilà, non, totalement intégral. L'un après l'autre, messieurs. Essayez de vous répartir la parole. Alors, on y va, allez-y. Donc, Siri qui apparaît de manière totale maintenant sur la surface du dessus. Ouais. Bon, on en revient toujours à Donc, ça reprend le son. Ça reprend un petit peu la philosophie du précédent, mais en plus compact. L'idée, on sent déjà qu'Apple a essayé de... Pour vendre plus, ils vont baisser le prix en faisant un modèle mini. Voilà, la stratégie, c'est celle-là. Et en plus, je ne crois pas que si ça a pu arriver avec le premier iPad, entre une première et une deuxième version, aussi le premier iPhone également, qu'il y ait une telle rupture de design entre un premier et une deuxième version comme on a actuellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ils mettent en avant plusieurs éléments, c'est le smart home. Et je pense que véritablement, ils vont positionner le HomePod, on va le voir, comme une clé par rapport à HomeKit. Je veux dire, un petit peu le centre de communication et la tour de contrôle de tous tes objets connectés. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, tu peux avoir ton HomePod qui est la source de ton HomeKit. Mais le HomePod coûte cher. Si tu as un produit qui est moins cher, potentiellement, ça peut être le premier élément de la maison connectée pour ceux qui n'auraient pas une Apple TV. Exactement. Donc, on parle un petit peu des... Regardez, on aperçoit moins l'intérieur du HomePod sur ces photos. Moins de haut-parleurs, effectivement. Moins de haut-parleurs que le... Évidemment, mais... Donc apparemment, ils font un effort sur les basses, d'après ce que j'ai compris. Et les basses se reflètent sur la paroi, sur la surface pour amplifier les basses. C'est un peu le système que j'aime beaucoup sur les Unlimited Ears, notamment. Et on trouve une puce qui est la puce S5 d'Apple. Ouais. Qui est la puce qui est embarquée dans les Apple Watch, tout simplement. Ouais. Une cohérence quand même dans la gamme. Oui, y a alors que le HomePod est équipé de la puce A8, je sens me tromper, je crois, de mémoire. Oui. Mais bon. Tu as sûrement bonne mémoire. Ouais. Ce que je veux juste dire, c'est que je pense que l'effet va être sûrement assez impressionnant comme il a été sur le HomePod, parce que moi, c'est comme ça que j'avais fait l'aller-retour à Londres. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour et donc je l'ai entendu, j'y vais waouh. Ouais. Et en fait, j'étais parti juste pour le voir. Ouais, en fait, je suis reparti avec. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est que si l'effet est aussi impressionnant pour une enceinte unique, je parle bien, parce qu'on crée une fausse stéréo, hein, ou une stéréo, on émule, je sais pas. Donc là, vous avez vu, le caisson de basse au centre et les enceintes sur les côtés, donc ce serait de la stéréo. C'est une spécificité du HomePod par rapport à Sonos qui propose que des enceintes mono. Tu peux quand même le doubler. On peut le synchroniser. Double stéréo. Ouais. Et d'après Apple, le son serait, je cite, très bon, entre guillemets. Et avec un système d'égaliseur automatique, en fait, d'analyse en temps réel du son et de positionnement de l'égaliseur en temps réel. Alors, le truc qui était super, c'est qu'il intègre une puce UWB Rappelle-nous la puce. Donc, UWB. C'est la puce qui permet de géolocaliser de façon assez précise, y compris en intérieur, un device, un terminal. Et donc, du coup, il va savoir que ton iPhone est proche du. Aujourd'hui, on peut déjà le faire. Moi, quand j'approche de mon HomePod, de mon téléphone, il me dit est-ce que vous voulez lire sur HomePod ? Regarde, on voit la photo, effectivement. Donc, il y a une interaction entre le téléphone qui est naturelle. Oui.
et qui lui permet de, d'envoyer du contenu. La vraie question, c'est est-ce qu'il va y avoir plusieurs sources ? Bon, déjà, il y a Apple Music Podcast, TuneIn, ça c'est pour... voilà. Est-ce qu'il va y avoir Spotify ? Vous avez noté qu'il n'y a pas Spotify, ni Deezer. Il y a Pandora. Il y a Pandora, oui, mais aux États-Unis, c'est un peu obligé. Amazon Music. Et Amazon Music. Mais pour l'instant, ça reste... Il y a Amazon Music ? Tu as vu passer Amazon Music ? Oui, Amazon Music. Mais pas, même pas Spotify, mais comme pas par Spotify. Hasard. Mais pas Spotify, bon... Ok. Mais avec les bundles qu'on est censé Apple, avoir. Amazon Music et Pandora, nous dit Didier sur Mac Forever, effectivement. Bien, donc. Alors, on va parler d'une partie qui fait mal à Pod Mini. Et du Pod Gérald, c'est Siri, hein, c'est pas un fer de lance, on l'a testé dans tous les sens. Et c'est Yael Garten, qui est la directrice de tout ce qui est Siri et, voilà, et data science au sein de Cupertino, qui nous en parle. Tu la corriges et dis des bêtises, Laurent ? Donc, il y a 25 milliards de requêtes par mois pour Siri, c'est ça. C'est du marketing, hein. C'est plus rapide. 25 milliards. Ouais. Et combien de requêtes, mais combien de résultats justes ? Alors, essayons de résumer ce qui est dit, puis pour à la fois traduire ce qui est dit, puis au-delà, essayer de comprendre un petit peu de où est le discours bullshit de la vérité. Qu'est-ce qui se dit concrètement, les amis ? Non, ce qui est dit à l'heure actuelle, elle dit exactement la même chose. Elle dit la même chose qui aurait pu être dite sur le HomePod normal. C'est grosso modo, c'est le... Ah, quand même. Quoi ? Oui, tu peux tester comme tu peux faire appel. Aujourd'hui, tu peux lire des messages, mais le problème, c'est que... Tu peux déjà le faire. Oui, tu peux déjà le faire. Mais t'as un problème de profil. De profil, c'est ça. La question, c'est est-ce que tu vas pouvoir gérer plusieurs... Avec la puce UWB, est-ce que tu vas pouvoir gérer le multiprofil ? Ça serait intéressant. Et ce serait très élégant. Très élégant. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, sur Google Home, par exemple, la reconnaissance, le Smart Voice, ne marche pas forcément à tous les coups. Chez moi, c'est une fois sur trois. Très bien. Donc, les fonctions de base, on retrouve les fonctions de base, comme on l'a vu sur la slide précédente qu'on vous a montré. Donc, le calendrier, l'envoi de messages, les appels, les infos de cartographie, des choses comme ça. Reconnaissance des personnes. Pardon ? Reconnaissance des personnes. Donc, il est capable de différencier les personnes au sein même d'une famille. C'est un point important lorsqu'on a... On a un device, un appareil connecté à la maison, hein, comme Alexa. C'est génial, j'adore. Superbe. Ah, c'est bien. X-Brain l'a fait il y a 10 ans. Hein. Mais ce n'est pas encore disponible en France, apparemment. Génial. C'est bien vu, le côté de la continuité entre... Alors, décris. Quand tu dis c'est bien vu. Donc, en fait, aujourd'hui, tu vas pouvoir faire demander un parcours depuis la maison. Et au moment où tu arrives dans ta voiture avec CarPlay, c'est le point 2, hein, le point 2 de Tim Cook sur l'intégration des devices. Quand tu arrives avec CarPlay dans ta voiture, tu as déjà le parcours qui est indiqué pour pouvoir avancer. Il mise sur la valeur ajoutée des usages et la simplification et l'écosystème. Hein, vous aurez compris, je demande mon chemin à mon pod et j'arrive dans la voiture ou j'arrive dans mes transports en commun et j'ai le chemin. Très bien. Notre ami Didier nous dit que ce n'est pas encore disponible en France pour que Siri puisse différencier les personnes, malheureusement. On sait qu'il y a toujours un décalage entre les versions anglaises et les différentes langues. On n'est pas les moins bien dotés, croyez-moi, de la planète pour la gestion de la langue chez Apple. Alors on parle d'intercom, je vois. De quoi s'agit-il ? Regardez cette image. Qu'est-ce qu'il veut dire par intercom ? Ça, c'est quelque chose qui existait déjà sur Google Home ou sur Alexa. En gros, c'est un système d'interphone entre pièces. Donc ça veut dire que l'idée est de pouvoir mettre des HomePod mini dans chaque pièce et de pouvoir communiquer l'une à l'autre grâce à ce type d'appareil. Pour parler entre les différentes pièces à distance. Hein, un peu comme le talkie-walkie de mon Apple Watch pour appeler mon épouse. Qu'on utilise grave. Mais non, jamais. C'est bien ça. Non, on est bien d'accord. Voilà. Et en plus, est-ce qu'ils vont se parler, est-ce qu'ils vont dîner chacun dans leur chambre Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on peut envoyer un message sur les différents HomePod de sa voiture vers la maison, du style « Est-ce que je vais acheter du pain ou je passe prendre des pizzas ?» Chérie. D'accord. Donc là, vous voyez toute la... Ce qui est hyper intéressant, c'est la force de l'écosystème qui est en train d'être lié véritablement entre la voiture, je suis en mouvement, et j'arrive chez moi, et je peux communiquer avec la famille. C'est très très fort. Je rappelle que Tim Cook a commencé en disant trois points. Point numéro un, facilité d'utilisation et de setup. Point numéro deux, intégration dans l'écosystème. Sûr, point numéro trois, la privacy, donc tout ce qui est la sécurité des données. Donc, on le trouve là-dedans. Alors, attends, il faudra voir la qualité niveau d'intelligence de Siri par rapport à ce que fait aujourd'hui un Google Home ou même un Alexa qui sont vraiment remarquables par rapport à Siri. Ouais. Donc, on met en avant la privacy. Regardez cette slide, encore une fois, et la sécurité. Alors là, encore une fois, pour rattraper peut-être le manque d'intelligence, le manque de réactivité de Siri par rapport à Alexa ou Google Home, on parle plutôt de sécurité, nous, les données, entre guillemets, nous, Apple.
on ne va pas les utiliser à des fins commerciales, c'est ça? Bah c'est, ils ont fait même une, Damien nous avait envoyé une photo de la publicité qu'il y avait aujourd'hui ou depuis hier dans les métros, ouais, sur la privacy. Bah peut-être ça compense le manque de réactivité. 100 $, waouh. Alors, c'est pas cher. Alors là. Ah, là, c'est bien, wow, ça. 99 $, c'est pas cher. C'est un prix Google. Vous avez vu, j'ai arrêté. Sur Pacemaker, on fait sauter, hein. C'est un prix Unlimited. Bah, yes, moquez pas de ma vieillesse, mais. Amis, hein. La seule différence avec mes Bondiabour chichi, c'est que les Bondiabour chouchou, elles vont dans l'eau. L'été, c'est important. Et là, je ne peux pas les mettre dans l'eau. Mais 100 $ pour ça, je pense que la différence, que les Bondiabour, elles sont sur batterie. Là, il faut. Oui. Il faut une prise électrique. Mais c'est un homme. Mais elles sont pas Wi-Fi. Alors, les 99 $, on répète le prix, c'est assez inhabituel qu'Apple casse les prix. Il y a des enceintes assistants bien moins chères, hein, notamment chez Google, mais quand même. Disponibilité, donc, en précommande le 6 novembre. La vente est ouverte le 16 novembre. On passe à l'iPhone avec Tim Cook qui est de retour, je crois, du côté de l'Apple Park, les amis. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le Steve Jobs Theater, d'ailleurs. Ouais. Comme chaque présentation d'iPhone, bien sûr. Le temps qu'ils présentent, juste pour dire un dernier mot, c'est que quand Apple casse les prix, c'est qu'ils veulent véritablement rentrer de manière agressive sur le marché. Ils sont vraiment en retard aujourd'hui. Ouais. Ils ont pris une claque de la part de Google. Ils ont laissé, comme d'habitude, aussi les autres un peu étreindre le marché. Et là, ils arrivent avec la force de l'écosystème. Ouais. Bon, par contre, évidemment, pas de Spotify, vous l'aurez compris, pas de Deezer. C'est fermé au monde Apple, à savoir Apple Music. Et les partenaires comme Amazon Music, hyper intéressant. Bon, Amazon, oui, parce que c'est un bon vendeur. Bah, Amazon Music, tu l'as quand tu as ton bundle à Amazon Prime. Hein. Donc aux États-Unis, ça fait du sens. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Tim Cook? Je crois qu'on nous parle de qualité et de niveau de satisfaction pour l'iPhone. Premier téléphone au monde, la satisfaction. Enfin, voilà, l'iPhone 11, c'est méga successful, comme d'hab, quoi. Il ne va pas dire que c'est le S20. Hein. Bon, vous voyez, il a toujours des positions très Steve Jobsiennes. Hein. Il a gardé le mantra d'Apple et cette volonté, enfin, ce langage corporel, dirons-nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit autour de l'iPhone? Toujours, hein, qui sont les valeurs d'Apple, en tout cas les valeurs marketing d'Apple. Hein. Là, c'est le numéro 1, le taux de satisfaction, la vie privée et regardez. La 5G arrive chez Apple. Voilà, bon. C'est pas une surprise. Non, pas une surprise du tout, non. Si c'était connecté seulement en 3G, on aurait eu un problème aussi. Mais bon, là, voilà, c'est bien. On va pouvoir en l'acheter. Comme si on avait besoin de ça. Donc bon, là, il énumère juste ce que la 5G va, entre guillemets, permettre. Hein. Donc, rien. De vitesse. Ben, rapidité, plus grand streaming. Moins de latence. Moins de latence. Ah bon, c'est pas moins de congestion sur le réseau. Bon, c'est la 5G, on l'a, tu vois, telle qu'on la connaît. Donc, c'est pas là-dessus que. Et toujours, la privée, le monde privé et la sécurité, hein, c'est encore une fois sa mamelle pour se différencier de la concurrence. Alors, on va voir si les inquiétudes étaient justifiées. On parlait en amont de cette keynote que les iPhones 5G ne supporteraient pas la fréquence 700 MHz. Elle est très développée en France, la fréquence des 700 MHz pour la 5G, notamment chez Free. On va voir. Tim annonce quand même des innovations de rupture. Alors, on va voir lesquelles. Alors là, à nouveau, cette notion d'hardware et de software. Donc, c'est toujours cette logique d'écosystème. Hein. J'attends de voir ce que ça donne. Et d'intégration. Ils n'ont pas la vidéo. Donc, Tim Cook insiste sur la mise en parallèle du hardware et du software, les amis. C'est une des spécificités Apple, hein, puisqu'ils sont maîtres à la fois de leur hardware et de leur software. Donc, une meilleure optimisation, c'est ça? C'est ça l'idée? Oui, ce qu'ils ont toujours fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent en avant là, l'accueil d'un invité, le patron de Verizon. Donc, manifestement, plus gros opérateur américain. Vous voyez qu'il y a une distanciation sociale. Bravo en régie, ça a réagi au quart de tour. Ça grabe à mort. Donc, c'est le patron de Verizon qui est l'un des plus importants, l'un des fournisseurs opérateurs. Ils sont forcément importants. Des opérateurs, oui. De Telcom, oui. Sachant qu'aux États-Unis, bien sûr, la 5G est là depuis plus d'un an maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce qui s'était passé, rappelez-vous, au tout début, quand l'iPhone avait été lancé, où il y avait des opérateurs spécifiques partenaires avec Apple, en France c'était Orange, pour le lancement c'était AT&T aux États-Unis. Et moi j'ai acheté mon téléphone là-bas et j'ai toujours ma puce AT&T. T'as toujours ta puce? Ouais. Oui. Donc là, on voit qu'ils refont la même chose, mais avec Verizon et la 5G. Donc ils invitent leur partenaire privilégié, donc, qui est Verizon, et j'imagine qu'on aura derrière un éventail d'opérateurs partenaires dans le reste du monde. On va voir pour la France quels sont les opérateurs partenaires. Je pense qu'ils ne vont pas faire de choix. Ce sera Orange, SFR, Bouygues et bien sûr Free. Alors, qu'est-ce que nous dit le patron de Cellular? Il parle de la vitesse d'abord. Bon, ok, super. Mais c'est peut-être
C'est vrai que ça fait des débits plus forts que la fibre. Alors, jusqu'à 4 gigabits. Chez Verizon. Hein. Chez Verizon, et 200 mégabits. Ouais, ouais, ouais. Il y a une petite astérisque. Il n'y a pas l'astérisque, mais ça dépendra aussi des bandes de fréquence, encore une fois. On n'arrivera pas à cette vitesse sur toutes les bandes de fréquence. Hein. Il faut rester prudent. Mais ça, c'est des vitesses théoriques, vous l'aurez bien compris. On a vu que la 4G a eu du besoin de temps pour monter en puissance et monter en tour. Non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la 5G qui arrive chez Apple, alors qu'elle était déjà présente chez les constructeurs asiatiques, avec l'arrivée des forfaits que nous avons en France, bon, ben, c'est le digital pour tous. Alors, la bonne nouvelle, nous dit Didier, c'est qu'apparemment, l'iPhone 5G et la 5G aux États-Unis, donc les deux, seraient compatibles avec les ondes millimétriques. C'est-à-dire vraiment ce qui consistait. Vous pouvez un petit peu résumer, peut-être, Damien, le concept où je prends la main. Millimétrique, pour faire simple, c'est effectivement lié à cette nouvelle génération de la 5G qui sont des ondes très courtes et qui permettent d'avoir de la micro-localisation, si on peut dire, et qui permet en un endroit très précis, de concentrer un maximum de puissance de data. C'est dans les zones qui sont très denses, très peuplées. Exactement, en ville, par exemple. On utilisera plutôt les ondes millimétriques pour vraiment... en sorte qu'il y ait un meilleur débit, focalisé, là où se trouve le terminal à l'instant T. Mais c'est plutôt des fréquences plus élevées en termes de puissance. On sait que c'est pas le fort des opérateurs français. Nous, on est plutôt sur des fréquences basses, entre a priori en France, 2,1,8 2,6, 800 et 700 MHz pour la France. Le millimétrique serait plutôt du 3,5, du 26 GHz. Ça ira un peu plus tard en France. Hein. Donc aux États-Unis, ça semblait déjà un petit peu en avance, hein, pour être vraiment précis sur ce point. D'ailleurs, on a l'émission On refait la tech sur la 5G. Enlevez les mots de la bouche. Oui. Bah, vendez l'émission On refait la tech. Hein. Bah non, mais voilà, si vous voulez entendre parler de la 5G, il y a une émission qui a été enregistrée la semaine dernière et qui a été diffusée samedi dernier sur la 5G avec la fine fleur du journalisme high-tech. En France, c'est moi qui le dis, je peux me permettre. Voix, les grandes voix de la tech. Et qu'on appelle les grandes voix de la tech, donc avec Elsa. Pour cette émission, il y avait Elsa, Bambaron du Figaro, Emmanuel Paquette, Cédric Ingrand et Guillaume Grallet, avec sa fameuse blague à la fin. Mais la blague de Guy, si tu veux, la blague de Guy. Voilà, vous serez tous sur la 5G en regardant, merci Stéphane. Et vous aurez une bonne blague aussi. On refait la tech. Voilà, il va revenir au live pour rappeler ce qui s'est passé. On a quand même eu. Juste le patron de Verizon qui a fait la pub de sa société. Hein. Où est-ce qu'on est présent, dans combien de villes. Réseau, et surtout, il y a une logique d'évangélisation pour expliquer ce que c'est que la 5G. Il y a un vrai. Le problème de la 5G aujourd'hui, c'est qu'on a la sensation que pour le grand public, ça va pas forcément changer grand-chose. C'est plutôt pour les entreprises. Donc là, il y a véritablement une volonté d'expliquer en quoi ça peut changer les choses, notamment bien sûr en termes de rapidité et volonté de dire aussi qu'ils ont un réseau national. C'est ce qu'ils viennent de dire parce qu'ils veulent tourner, enfin turn, ils veulent activer. Le maximum de villes. Voilà, il y a un petit tweet de notre ami Cédric qui nous suit, on l'embrasse, qui nous dit forcément 99$. Django ne pouvait pas tenir. effectivement, Django, c'est l'enceinte connectée d'Orange. Je pense que Orange a très bien compris que c'était un retrait stratégique. Ouais. Alors, on va découvrir les nouveaux iPhones. Tim Cook est de retour, regardez. Et on va le voir en vidéo, s'il vous plaît. Regardez les nouveaux iPhones en vidéo, s'il vous plaît. On découvre toujours l'encoche. Ça ressemble à de l'iPhone 12 avec deux objectifs. Donc différentes couleurs, jaune, rouge, bleu, vert, noir. Deux objectifs. Donc c'est l'iPhone 12. On ne sait pas si c'est le mini ou le 6,1 pouces. On retrouve bien le format plus carré des précédents modèles. Gros plan sur les... Là, on commence avec l'iPhone 12 avec Tim Cook. Voilà, donc il y a bien... C'est bien l'iPhone 12. Oui. Oui. Il y a bien des iPhones ce soir, on est sauvés, on était un peu désespérés le mois dernier. Mais là, les iPhones sont bien annoncés. Et on va savoir tout le détail des iPhone 12 en compagnie de Kayan Drenz, qui est la responsable marketing iPhone au sein d'Apple. Donc on retrouve effectivement, les amis, le design... classique qui a eu tant de succès, l'iPhone 4, l'iPhone 5, l'iPad Pro. Moi, ça a été mon... La prise en main. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la prise en main sur les arêtes, comme ça, est beaucoup plus agréable. Et on retrouve, bien sûr, le design de l'iPod Pro. L'iPad, pardon. Effectivement. Donc, apparemment, donc, le côté, ça reprend le même principe, les amis, que l'iPhone 4, l'iPhone 5. Le pourtour, c'est pas que pour faire joli, ce sont les antennes. Souvenez-vous de l'antenne à guette, hein. Oui. Les cinq couleurs, hein. Original, hein. Dans les cinq couleurs, on a un vert qui est unique, hein. Le bleu profond qui est unique. Ça, c'est joli, ouais. Le c'est une nouvelle couleur. Red, ok, ouais. Le blanc et le noir. Le blanc et le noir, plus classique. Ouais, non, on était...
Donc plus fin de 11%, plus de 11, petit de 15% et Plus léger de 16%. Donc et ça, c'est l'iPhone 12. On ne sait pas si le mini, on parle de 6,1 pouces. Hein. Ça, c'est le modèle classique. Peut-être que le mini sera le One More Thing. Hein. Ça reste une rumeur. On va voir si Apple va le traduire par l'effet. Nous, on l'a reçu en maquette. On espère qu'il va sortir. C'est une jolie petite savonnette. Qu'est-ce qu'on parle du, peut-être de l'écran? On parlait d'une différenciation en termes d'encoche. Pour l'instant, ce n'est pas flagrant. Hein. Ce n'est pas flagrant du tout, non. Bon, l'écran, ça reste... Du LCD ou du OLED? Est-ce que vous avez l'info? Alors, l'info principale, enfin, du côté des gens qui. Des leakers, c'était que Apple a abandonné cette année pour la première fois les écrans LCD au profit de l'OLED, généraliser l'OLED sur tous les écrans. C'est de l'OLED partout. Ouais. Bien. Donc, deux fois plus de pixels que l'iPhone 11. D'accord. 2,8 millions de pixels l'écran. Bon, c'est. Voilà, c'est bien un écran LED Super Retina. Donc Apple maintenant généralise les écrans LED sur toute sa gamme, hormis l'iPhone SE. Donc vous avez deux fois plus de pixels. La grande question, c'est la grande question. Et c'est vraiment sympa, effectivement, d'avoir de l'OLED partout. Hein, les iPhone 11 de précédente génération avaient encore du LCD. C'était réservé au 11 Pro et au 11 Pro Max. Bon, la grande question, c'est est-ce que l'iPhone SE a un intérêt si tu sors un iPhone mini hein? Oui, en termes de prix, tu vas voir qu'il y aura un intérêt. Oui, en termes de prix. Voilà. C'est quand même plus facile de casser les prix sur l'iPhone SE que sur l'iPhone 11, à mon avis. Mais... Ça, c'est certain. Dolby Vision HDR10, ça, vous l'avez vu, certainement. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par Ceramic Shield? Protection céramique. Alors, elle est où, cette protection céramique? Sur l'écran? Ah oui. En fait, souvenez-vous, il y avait une rumeur depuis des années comme quoi on utiliserait une protection céramique des écrans plutôt que du verre. Ça y est, c'est arrivé. C'est au-dessus de l'écran. Donc c'est une sorte de d'accord, c'est une sorte d'écran de protection comme on l'a, mais directement intégré en céramique. Bon, bien sûr, plus résistant que n'importe quelle vitre de smartphone, 4 fois supérieur. Bon, on est dans le marketing là, il faudra le tester. Hein. C'est-à-dire, si à la première chute. Ça casse quand même. Bon, on demandera à nos amis de Rhinoshield de nous aider. Moi, si on peut le casser, effectivement. Donc, apparemment, ça serait plus résistant que le verre. Quatre fois plus résistant, effectivement. Ouais. C'est ce qui est annoncé, bien sûr. Ça reste du marketing, il faut voir la vérité, mais ce serait plus résistant à la chute. Je vois déjà le nombre de youtubeurs qui vont acheter le téléphone et paf, tout de suite le casser sur le métro sur le trottoir new-yorkais. Bah, les unboxings et le fait de le casser, le passer au blender, ça, ils vont se régaler. Donc on va parler 5G maintenant. Il semblerait que ça bouge du côté de Cupertino. On va dans une chambre, comment tu appelles ça? Ça s'appelle une chambre anacoïdale, anacoïdale, tout à fait. Et c'est Arun Mathias donc, qui va nous expliquer un petit peu les spécificités 5G et comment... ça se passe en termes de réception et puis aussi d'émission. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la 5G, donc on y a consacré une émission dans Refait la Tech. On va voir si on va aborder ce sujet du sanitaire et de la santé autour de la 5G. L'Apple Park, c'est quand même la bas de cave. Alors, les bandes 5G, il y aurait le. J'ai pas suivi les enfants. Ils disaient que l'Apple Park, c'est quand même la bas de cave. Quoi. C'est la bas de cave. Il y a des pièces extraordinaires de partout. Quoi. Alors, il y avait une info importante, c'est qu'apparemment, c'était le smartphone du marché qui gérait le plus de bandes 5G du marché. Ouais. Ça m'étonne, puisque la rumeur annonçait le contraire, donc c'est plutôt une bonne surprise. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont montré le nombre de parties du corps qui servaient comme antenne. Et il y en avait une quantité astronomique, effectivement. Puisqu'en fait, il faut savoir, c'est que l'antenne doit avoir une taille spécifique par rapport à la bande de fréquence. Ouais. Donc plus tu couvres de bande de fréquence, plus tu es obligé de t'équiper en nombre d'antennes pour mieux le... Donc la plupart des fréquences seraient gérées par un seul modèle, hein, mais on ne sait pas si c'est les fréquences... Vous savez que sont très américano-centriques chez Apple. Ici, ce qui est expliqué, c'est le fait que l'iPhone est capable de gérer par son software la vitesse, c'est-à-dire la bande sur laquelle il va se programmer, il va se s'accrocher pour réduire, augmenter plutôt la performance de l'appareil. Et réduire la consommation électrique. Alors, on va regarder quelques opérateurs qui sont partenaires. Orange. Donc, il y a AT&T, Bell, Orange en troisième ligne. Et Orange, notamment, pour la France, qui sont mis en avant. Et la gestion de la 5G, sachant que la France, elle n'est pas déployée. Les enchères ont été juste... Ce sera en décembre, on a déjà les forfaits. Il y a déjà les forfaits qui sont disponibles et pouvant être souscrits. Il y a des tests qui sont faits depuis des mois dans plusieurs villes. C'est fait.
Voilà, donc là, le point à retenir, c'est effectivement l'adaptation automatique de l'iPhone à la bande et donc le fait de gérer la consommation de la batterie en fonction de la bande où il va s'accrocher. Donc le meilleur choix de manière transparente. D'accord, très bien. Un mot quand même sur la 5G. Pourquoi Apple avec tant de retard? Vous vous souvenez de la guerre qu'il y avait eu il y a quelques années avec Qualcomm, la volonté d'Apple de se lancer dans ses propres modems. Ils avaient racheté les modems d'Intel. Là, Apple était tombé dans une impasse, messieurs, sur ce côté-là. Et finalement, est revenu au bercail et a repris le leader du marché qui est Qualcomm. Ils ont voulu tout intégrer. Là, ils se sont cassés un petit peu les dents sur ce coup-là. Oui. Après, on en revient encore une fois à l'utile, l'utilité et l'utiliser. Et c'est intéressant. Donc finalement, tu peux sortir un téléphone 5G il y a 3 ans. Il y en a qui avaient déjà des téléphones 5G. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'usage, il n'y avait pas de contenu. Alors, donc, ils le sortent au bon moment. On parle du nouveau processeur A14 Bionic. Hein, c'est un processeur qu'on connaît déjà puisqu'il est apparu dans l'iPad Air qu'on a découvert le mois dernier. Qui serait donc le processeur le plus rapide de la gamme Apple Silicon. En attendant le Mac, hein, qui sait, peut-être ce soir, on aura une bonne surprise. Un Mac Apple. Vous avez vu le geste là quand même, hein? Alors explique-moi. Comme le téléphone est utilisé pour débloquer comme une porte, hein, donc ça veut dire que les portes à l'Apple Park. Il y a quand même le NFC. C'est lentement mais sûrement qu'Apple libère l'utilisation de. Apparemment, il ouvre le NFC notamment pour la carte Navigo en France. Ce serait d'ici deux ans. Ça serait bien. Oui, éventuellement. Alors, c'est la rapidité de réponse qui était mise en avant là pour le coup. Alors on sait pourquoi Apple a migré, a abandonné Intel pour le Mac. C'est la finesse de gravure, c'est la finesse de gravure des puces ARM et des puces Apple Silicon 5 nanomètres. C'est la finesse de gravure aujourd'hui de la puce A14 Bionic, 11,8 milliards de transistors. C'est 40% de plus que le modèle précédent. Donc là vraiment. Et une gravure à 5 nanomètres. On est beaucoup plus haut hein, chez Intel aujourd'hui. On multiplie les cœurs, hein, comme chaque année. Chaque année plus rapide, chaque année. Jusqu'à 50% performant. Plus rapide. Jusqu'à 50%. C'est beaucoup, hein, jusqu'à 50%. Bon, après, encore une fois, Apple fait ses puces, ils ont une expertise, ils sont leaders sur ce marché-là. Ça va faire presque 10 ans, là, messieurs. Ouais, hein. Ils ont fait un choix qui est assez impressionnant. 4, c'était en 2009-2010. Donc voilà, après 10 ans, ils arrivent à une pleine maturité et une vraie valeur ajoutée. Par rapport notamment à ce que propose Intel, qui est vraiment dans une impasse aujourd'hui en termes d'architecture. On se demande même s'ils ne vont pas migrer vers de la ARM aussi. 16 cœurs qui vont jusqu'à 80%. Non, 16 cœurs pour le Neural Engine. Pour le Neural Engine, c'est-à-dire tout ce qui est intelligence artificielle. Tout à fait. C'est intéressant parce que finalement, on se rend compte qu'ils ont commencé lentement, là aussi. Hein, et il y a une énorme accélération. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'applications qui utilisent. Ils ont des accélérateurs. Bientôt, les puces ne seront plus que... Tu sais, c'est Google qui avait sorti des TPU, hein, qui étaient les TensorFlow Process Unit. Et finalement, bientôt, les puces Apple ne seront plus que des puces pour faire de l'IA, entre guillemets. Ouais, c'est carrément des puces de... Alors, c'est des puces de téléphone et qui vont aussi vite que des puces de super ordinateurs, de super calculateurs. Et l'une, évidemment, des premières valeurs ajoutées, au-delà de l'intelligence artificielle, on le voit à l'écran, sont les jeux. Ce qu'on peut noter aussi, c'est bien sûr, ils font une large partie sur la performance du processeur, qui sera bien sûr sur les prochains un Mac ARM, donc c'est une manière aussi de montrer qu'ils ont une performance, une maîtrise, on va dire, de tout ça. Donc évidemment, les jeux, c'est la première valeur ajoutée en termes de gains, en termes de puissance, donc Apple met ça en avant. C'est aussi un bon fonds de commerce pour l'App Store, vous l'aurez compris. Même si les consoles, aujourd'hui, tiennent encore largement et dominent, notamment avec les nouvelles PlayStation Xbox qui viennent d'être dévoilées. Et chaque année, Apple fait des démonstrations de jeux en faisant venir et en invitant des éditeurs. Et cette année, c'est... Riot Games, là. C'est Riot Games qui serait sur scène avec une petite démo. Qui va nous dire tout le bien ou tout le mal, donc on n'a pas forcément besoin de s'y attarder. Alors messieurs, revenons un petit peu sur les annonces de ce soir. On a vu déjà un HomePod mini à $99 qui va casser la baraque. On parle pour l'instant que d'un seul modèle d'iPhone, c'est l'iPhone 12. Et la principale nouveauté, c'est pas ça, ce sera plutôt le mini. Tu voulais dire quelque chose, Laurent? Les commentaires qu'on voit à la fois dans le flux et sur nos autres réseaux, les gens ont été très impressionnés par le 99€. Complètement. Tout le monde te dit, 199, je me serais dit 149, mais alors 99, je m'y attendais pas. Après, la question, c'est toujours pareil, ce type d'appareil-là, il faut développer les usages.
La question, c'est qu'il faut arriver à développer les usages aujourd'hui, ce type d'appareil-là. On le voit, Amazon, Google, on essaie vraiment d'évangéliser, de casser les prix. Est-ce qu'Apple va réussir à s'intégrer dans l'écosystème de la maison? Je pense que ça peut fonctionner par le côté connexion autour de l'iPhone et du CarPlay, etc. Enfin, la logique de l'écosystème, finalement. On note aussi quand même que Apple ne manque aucune occasion pour rappeler la notion de la confidentialité des données, pour bien expliquer que, on va dire, se différencier plutôt de la concurrence. Voilà, ils n'ont pas invité... Epic ? Non, ils n'ont pas invité Epic cette année, c'est curieux. Ah, moi, je pensais que Fortnite, ce serait une grande annonce pour ce soir. Qui mettrait Fortnite en avance. Oui. Attends, sur les caméras. On n'est pas progressé sur le jeu, on parle des caméras. On parle des caméras, donc il y a un ultra grand rectangle, j'ai cru voir. Ouais. Ok, bon, c'est un 12 millions de pixels. Ouais. Donc là, ça reste du classique, hein. C'était déjà ce qu'on avait l'année dernière, donc pas de changement apparent. Un grand angle, 12 millions de pixels. Et pas de téléobjectif, a priori. Ouais, il y a deux objectifs, mais bon, avec ces trucs-là, on a l'impression qu'ils font papa et maman, mais en fait... Donc ça reste à peu près dans les... Il n'y a pas correct. De grande différence par rapport à l'année dernière? Non. On voit les juste fois, c'est le rendu sur... 7 lentilles. Ouais, mais c'est le rendu sur l'écran qui va être bien. Donc l'idée, d'avoir de meilleures performances en basse lumière, c'est ça ? En basse lumière, qui est le problème principal de ce type de photophone. Et l'iPhone, là-dessus, était très en retard par rapport à d'autres, notamment le Pixel et les Huawei. Et là, ils essaient de le rattraper. On voyait vraiment une différence, surtout si on prenait l'iPhone 11, par exemple, au 11 Pro, qui était bien meilleur. Et là, apparemment, c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. Ils appellent ça le computational photography. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est un traitement numérique. Post-processing de la photo. On y est. Et aujourd'hui, avec un processeur qui fait 50% de puissance en plus, avec un moteur neuronal intégré, ça leur permet de travailler là-dessus, quoi, facilement. Et bien sûr, ce qui était vraiment la force, la bonne surprise de l'année dernière, ce qui m'a vraiment fait plaisir lorsque j'ai déballé pour la première fois l'iPhone 11 et le 11 Pro. C'est le mode nuit, donc ça apparemment, est-ce qu'il y a encore de l'évolution? On peut encore le faire évoluer. C'est encore du logiciel, hein, le mode nuit chez Apple, donc on peut encore le perfectionner apparemment. Je fais juste un saut. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux animations. Les animations textuelles de la présentation, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Le texte qui apparaît par un glissé avec des couleurs, c'est peu courant. J'aimerais bien voir apparaître ça dans Keynote, par exemple. Oui, un keynote qu'on utilise encore nous beaucoup au sein ici chez Ronfait le Mac, mais qu'Apple semble avoir abandonné depuis des années. On adore keynote. Après la photo, on va parler de vidéo. La vidéo, c'est quand même le marché sur lequel Apple veut positionner l'iPhone. Le nombre de fois où on voit des grands réalisateurs réaliser avec l'iPhone. Donc on va voir ce qui va être proposé. Mais très clairement, c'est un marché clé pour eux. Regarde, apparemment, une première fonction. Merci en régie. Donc, le mode nuit time-lapse. Alors, c'est quoi ? Ah, moi j'adore. Donc le timelapse, on le sait, c'est quand on positionne en fait son téléphone et qu'on a la possibilité de filmer une scène et on a l'impression qu'elle est accélérée. Et là, cette fois-ci, ils le font de nuit. Et c'est vrai que c'est assez compliqué d'arriver à faire de nuit. On a une brève vidéo de timelapse vidéo. On sent que la régie veut nous diffuser de la vidéo, mais on va se calmer un petit peu quand même en régie. On a promis un peu de patron en passé, voilà. Et puis de temps en temps, on revenait un petit peu en plateau, quoi. Voilà, on sent que ça vous démange en régie, hein. C'est bien. Mais on respecte les règles du jeu. C'est difficile quand même de travailler dans ce... Mais c'est important de le rappeler parce que beaucoup de gens dans le chat nous disent « Mais pourquoi c'est pas relayé ?» Ben parce qu'Apple demande à ce qu'il n'y ait pas... On le répète, Apple ne veut plus qu'une diffusion en direct depuis qu'ils sont passés à des versions confinées de leur keynote et leur Apple Event. Ils préfèrent garder l'exclusivité, évidemment, du flux vidéo pour leur propre event sur iPhone. On a le droit de reprendre que 5 minutes de vidéo. C'est les consignes que nous ont fixées Apple. Par contre, on a le droit de vous passer des captures d'écran. Donc, on va pas s'en... Attendez. On passe en le manquer ce soir. On parle de recharge à induction. Attendez. Alors, attendez, il faut que vous décriviez, les amis, les enfants. J'entends Cédric depuis la Suisse. Cédric, Didier. Qu'est-ce qui se passe, Didier. Les amis? Montrez-moi. Excusez-moi. Voilà, regardez la petite vidéo qu'on met derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une semblerait. Alors, ça fait il semblerait aimanté. Alors. Oh. Alors, effectivement. C'était une rumeur, le MagSafe. D'accord. C'était un système de recharge par induction aimantée. Pas que propose en fait. Il y a un système d'aimant dans l'iPhone et il y a une série d'accessoires qui va être proposé et donc on va pouvoir coller des accessoires derrière l'iPhone de manière magnétique. Le retour du MagSafe. Hein, Le MagSafe c'était une prise. C'était assez génial. C'était une prise sur le MacBook Pro. Sur le MacBook Pro qui permettait de, si on accrochait le câble, qu'elle se décroche finalement sans que l'ordinateur vienne avec.
Et c'était aimanté. Aimanté, avec 5 prises à l'intérieur, 5 fils dedans. Ce que je trouve génial, c'est d'abord, c'est réutiliser toujours les mêmes termes, MagSafe, etc. Alors, deuxième élément, en faisant ça, Camille, il tue un marché qui est celui des coques. Parce que... Si vous pouvez nous remettre l'image des éléments, voilà, regardez. Vous avez compris, c'est une coque dans laquelle il y a tous les composants nécessaires à la recharge par induction. Et vous avez un aimant qui fait que ça positionne de manière idéale, si je comprends bien, les amis. Exactement, bah, c'est ça le problème. Alors, problèmes de la recharge. Pas que ça, ça positionne en fait, de positionner idéalement sur le chargeur, mais pas que, ça permet aussi d'associer des accessoires comme un porte-carte. D'accord. Donc on peut imaginer une série d'accessoires faits par Apple ou par des concurrents, ce qui veut dire que c'est mort pour les fabricants de coques, si on veut mettre ça derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Apple sort ce soir une plaque à induction, en clair, un chargeur à mais induction. Peut-être. Comment tu l'appelais, ton regretté? AirPower. C'est le retour du AirPower ce soir? On avait raison dans le sommaire. C'est l'extension de ce qu'ils font pour l'Apple Watch appliqué au. C'est vrai, tu as raison. Ça existe déjà dans la gamme. Je suis pas d'accord, Laurent. Il y a une différence. C'est que la montre, il y a quelque chose qui est concave pour que ça se positionne bien. Là, c'est un aimant. Mais ça se positionne automatiquement. Regardez, on voit que. Il y a l'AirPower. Regardez l'image, les amis. Voilà. Donc c'est bien AirPower, quoi. À moins que ce soit, ils aient signé des deals. Pour la voiture. Et à moins qu'ils aient signé des deals avec des constructeurs tiers. Voilà. Nous emballons pas les Belkin. Belkin, par exemple. Voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Donc en fait, vous allez, comme il y avait le MFI pour les appareils compatibles avec la prise, et bien on va avoir la même chose avec ce système aimanté. D'accord. On ne sait pas si Apple a proposé ses propres accessoires. Ça veut dire un truc. Hein. Dans deux générations d'iPhone, il n'y a plus de prise. Vous le dites après. Je prends les micros sur un iPhone pour faire des vidéos si tu fais ça. En Bluetooth, je vais t'en montrer. Hein, tiens. Je testerai et ce sera peut-être un coup de cœur prochain. Très bien. On refait un tour de l'Apple Park. Et on met le cap sur le toit de l'Apple Park et du ring de chez Apple. Lisa Jackson, pas tous en même temps, messieurs. Je prends. Pour prendre. Alors, Lisa Jackson, qui c'est? Raconte-nous, Laurent. Je voudrais juste faire un commentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué le rythme. Depuis tout à l'heure, on a un rythme qui est assez inhabituel. Ouais. On a du produit, une coupure. Du produit, une coupure. D'habitude, tu présentes l'iPhone, puis ensuite, tu présentes les jeux. Là, il y avait les jeux qui étaient au milieu. Là, ils sont en train, ils viennent de finir les téléphones, ils viennent de finir les trucs, et hop! On revient sur la démarche sociétale d'Apple, sur la partie environnementale, avec une approche carbone free, donc sans émission de CO2 pour Apple. Donc c'est marrant cette bascule, le rythme qui est donné dans cette présentation. Donc c'était une ancienne lobbyiste, hein, cette dame qui maintenant au sein d'Apple, qui était un petit peu, qui est la caution verte d'Apple aujourd'hui. Et 100% recyclable, hein, c'est encore une fois un karma d'Apple avec l'arrivée de l'aluminium dans les Mac notamment. Même les aimants sont 100% recyclés. Voilà. Alors on répète, on va laisser le discours marketing d'Apple de côté parce que tout ça c'est quand même assez... Voilà, hein, c'est du marketing, vous l'aurez compris. On revient sur l'annonce principale, donc du MagSafe. Et je regarde ce que nous dit Didier sur Mac Forever. L'annonce du MagSafe, elle a l'air comme ça un peu anecdotique. Pour moi, c'est un vrai changement parce qu'il y a un univers d'accessoires qui va s'ouvrir avec des partenaires. On le voit, ils ont annoncé Belkin par exemple, et ça veut dire que vous allez avoir des appareils. Surtout, on le sait, quand on fait de la charge sans fil et qu'on pose l'appareil, très souvent ça ne fonctionne pas parce que c'est pas bien positionné par rapport à la bobine. C'est un vrai problème. Moi, des fois le matin, je pense avoir chargé mon iPhone, en fait il était juste sur le côté. Exactement. Du chargeur par induction. Et donc là, on retrouve, comme tu le disais, un peu le même système qu'il y avait pour l'Apple Watch, mais pour l'iPhone, et puis plein d'accessoires. Ça peut se standardiser sur tous les autres constructeurs. Alors, je vous arrête, les amis. Regardez une information importante. La jolie boîte. La taille est plus fine. Il semblerait que la tendance inaugurée sur l'Apple Watch le mois dernier est de retirer les chargeurs de secteur soit le cas. Il n'y aura plus de chargeur secteur a priori dans le prochain iPhone. Ça va être confirmé. Est-ce qu'il va y avoir encore un casque? On sait qu'en France, c'est une obligation. Peut-être pas aux États-Unis. Pour revenir un instant sur MagSafe, donc effectivement, Belkin va proposer des modèles compatibles. Et tu l'as dit, c'est pas que pour le recharge. Il y aurait un écosystème d'accessoires. On a eu notamment ces petites cartes pour... Ces wallets, ces porte-cartes. Que tu aimes tant pour tes housses, mon cher Stéphane. La carte Navigo qui n'est pas encore compatible avec le NFC. Venir, on peut on la glisser derrière. C'est génial. Ça, c'est une émulation, quoi. Alors qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de recharge. Regardez, je vois USB-C. On parle du USB-C. On reste sur le Lightning. Ça, c'est logique. Donc, il y a toujours la prise Lightning. Tout à fait. Donc, prise Lightning, mais USB-C. C'est-à-dire qu'on abandonne la prise Lightning USB. Il y avait aussi une rumeur sur un modèle tressé. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Moi, je n'ai pas eu le temps, mais ce n'est pas bien grave. On a James Bond, effectivement. Il ouvre une boîte. Une boîte s'ouvre et dedans, il y a une boîte. Alors, la musique de James Bond. Je décris,
Voilà. Ah, encore une boîte. Et ils le prennent en bleu comme par hasard. Ah, qu'est-ce qu'ils prennent en bleu, messieurs? Un iPhone 12. Bah, oh, décrivez pour l'auditoire. Un iPhone mini. Alors, l'iPhone 12 est donc il y a eu un petit effet de voilà, un petit effet de tambour avec plusieurs valises qui sont ouvertes pour dévoiler l'iPhone 12. Regardez à droite, vous avez le SE. Le SE, à gauche, vous avez le mini. Avec le SE, c'est avec un 4,7 pouces, mais vous avez encore les grandes barres en haut et en bas. Wow. Là, il est plein d'écran. Ah, c'est génial. Il est bien 5G. Il est bien Super Retina, il a bien le céramique en façade, il est bien le 14, il a bien deux caméras et il est bien maxé. Il est même maxé. Il est maxé, il a tout. Mais petit. Donc, le premier One More Thing qui était prévu de la soirée, à savoir l'iPhone mini, est bien là. On l'a tous eu, hein, les amis, d'avoir la chance de l'avoir en main. C'est vraiment un produit très sympa. Et je pense qu'il a. Voilà, ça a beaucoup inspiré, je pense, le reste du marché qui va certainement revenir à ce type de form factor. Vous allez voir qu'on va parler de l'iPhone 11 Pro dans un instant. Donc, ce dont on parlait au tout début de l'émission se réalise par rapport à ce petit iPhone. Ouais. Et donc, et surtout qu'en plus, il y a un écran LED par rapport à l'iPhone SE qui ne l'a pas. Je pense qu'il y aura peut-être également on va le découvrir en vidéo, si vous voulez bien, peut-être, si on a la possibilité. Donc là, on voit une publicité. Hein, de. Qui met l'accent sur la rapidité de l'appareil. Ah, il est tout petit, effectivement. Il est tout petit. Il est très compact. Non, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le bord à bord hein, qui rend l'écran par rapport au SE qui avait ses grosses bordures. Hein. Comment tu dis grosses bordures? C'était ça pendant des années. Tu as vu comment tu deviens difficile? C'est vrai. Hein. Non, mais enfin, je trouve un produit assez mignon, assez sexy. La question de fond, on l'a dit en amont de cette émission, c'est qu'est-ce qui va se passer en termes d'autonomie? Plus petite batterie, bon, plus petit écran, donc on économise un petit peu. La vraie question, c'est quelle va être l'autonomie annoncée. On va voir si Apple va jouer la carte de la transparence. C'est pas comparer ces modèles, ce soit en termes d'autonomie. Du tout. Le sujet de l'autonomie n'a pas été abordé. Hein. Pas encore. Généralement, ils annoncent toujours la même autonomie tout en augmentant la puissance de génération en génération. C'est comme c'est un nouveau modèle. Ah, regardez, on voit du MagSafe encore une fois. Des coques, quand même. Hein. Un petit donc, portefeuille. Malgré une coque, ou même avec une coque, on se rend compte que Apple Pay de mettre sa carte bleue derrière. Ouais. Bon, on va pas chipoter non plus. Il est étanche en tout cas. Oups, résistant pas mal. Oui, il est étanche comme les précédentes générations, d'accord. Okay. Il est tout petit. Hein. Ah. Voilà, comme il est tout... Alors, soit le monsieur, il a des mains immenses, mais. Non, il est tout petit, je te confirme qu'il est tout petit. On vous l'a présenté en amont, on l'a filmé. Ouais. Il est petit. On était tellement pressé de prendre l'antenne pour être à l'heure qu'on a oublié, la maquette de mon bureau. Mais c'est pas grave, il est vraiment tout petit. Oh là, il y a les prix là. Alors, les prix. Alors, pas trop vite, messieurs. On suit ce qui est à l'écran. Merci. Alors, l'iPhone 12 mini est facturé quel prix? Allez-y, Laurent. $700. Pas tous en même temps. 699 pour être précis. Donc 800 euros pour une taxe Apple. Ouais. C'est pas une taxe Apple, arrête, s'il te plaît. C'est la taxe, c'est la TVA française, c'est la taxe sur les données françaises. C'est pas Apple. Ouais, Apple le vend au même prix. Avec le dollar. Non, mais moins là, c'est du prix hors taxe. C'est du Apple le vend le même prix. Oui, je vais te refaire un article encore une fois sur ce sujet. Si donc 699$ pour l'iPhone 12 mini, $799 pour l'iPhone 12. Et avec une offre, bien sûr, chez Verizon qui ne nous intéresse pas nous spécifiquement. Oui, mais l'offre Verizon qui est pour une offre avec, si tu prends un abonnement, il faut parier qu'avec un abonnement, ça coûtera entre 200 et 300 euros. Oui, d'accord. C'est ça, oui. Ouais. C'est la même chose que le SE, quoi, à peu près, ouais. Et puis, si vous avez la possibilité de me l'apporter, ce serait cool, ouais. On était tellement impatients de vous retrouver ce soir que j'en ai oublié le plus important, de montrer l'iPhone 12 mini. Voilà, il va voir, il est tout petit par rapport. Donc là, on va bientôt parler, on imagine. Hein. Et Tim Cook est de retour, c'est ça? Donc là, on a parlé du mini, on a parlé du 12, on a parlé plutôt de la gamme haut de gamme, c'est ça? On va monter en gamme? Des deux autres, ouais. Et on aura droit à une petite vidéo. On peut peut-être basculer sur la vidéo en régie. Merci. Donc, il y a trois capteurs. Est-ce qu'il y a un LIDAR? Oui, il y a un LIDAR, apparemment. Il y a un LIDAR, oui. Voilà, vous voyez que les antennes sont brillantes, brillant, alors qu'elles sont mates, apparemment, sur l'iPhone 12. Ouais. Les arêtes sont shiny, sont brillantes. Ouais, là, c'est étonnant. Hein. C'est un effet un peu huileux. Ouais, c'est joli. Moi, c'est grand. Hein. Oui, mais on l'avait déjà sur le 11. Oui. Hein. Regardez, il est arrivé l'iPhone 12 mini. Voilà, iPhone 11 Pro, Max, l'iPhone 12 mini. C'est une belle bête. Voilà, ouais, c'est vraiment très joli. C'est sympa. Hein. Il tient dans la main. Hein. Ah ouais, et voici le iPhone 12 Pro. Allez, on revient à l'iPhone 12 Pro et certainement deux modèles. Un modèle 5,8 et un modèle 6,7 de mémoire. C'est ça, les amis? Je n'ai pas dit de bêtises. Je vais regarder mes notes. Je reviens. Oui, ils sont où mes notes? Kajoviak, donc le grand remplaçant de Phil Schiller. Hein. Ils n'ont pas parlé de stockage. Hein.
Non, pas Stockage World, tu vas avoir la fiche. Oui, une fiche comparative à la fin. Est-ce que vous avez vu les écrans, si c'était 120 Hz ou pas? Vous savez, les écrans propres. Ils n'ont pas lancé pour les deux premiers, mais là, ils vont l'annoncer, je pense. Donc, ce serait normalement du 6,7 pour la. J'ai pas vu le 120 sur La Pacific gamme Blue. Donc, tu parles de quoi? Des couleurs. Voilà. Il y a trois couleurs. S'il n'y a pas du bleu, Stéphane n'est pas heureux. Il y a du bleu. Il est content. Voilà, il a acheté une Apple Watch bleue. Et il aura l'iPhone qui sera sorti. Donc la nouvelle couleur cette année, ce serait le Pacific Blue. Jusqu'à présent, on avait quoi du côté de l'iPhone? On avait du black, on avait du green, le vert. Le vert. Qui était très original l'année dernière. Voilà, c'est le tien. Et puis, il y avait le blanc. C'est le mien. Voilà. Et cette année, il y aurait du blue. Il y avait le gold aussi, toujours ou pas? Oui, il y a du gold. Il y a du gold. Donc là, on retrouve Le même qui a été dit jusqu'à présent. MagSafe, Vous avez noté que du coup, l'icône de chargement de l'Apple Watch, donc avec sur le grand écran, est exactement la même sur iOS. Donc on a bien regardez 5,8 et 6,1. Oui, mais attendez. C'est par rapport à très bien. Ça passe bien à 6,7 pouces. Donc la rumeur avait raison. Un écran plus grand, mais pas énormément plus grand. Donc c'est pas non plus une phablette au sens où il y a des écrans encore plus grands dans le monde d'Android. Mais c'est quand même assez une sacrée pelle à tarte quand même. Donc les écrans Super Retina, on l'a dit. Là, on est sur les écrans. Est-ce que vous apercevez peut-être des bordures un peu plus fines qu'auparavant, ou ça vous semble à peu près la même chose? Pas eu l'impression, mais bon, on va essayer d'être un peu plus attentif au prochain plan où on verra l'écran. Mais ça n'a pas été, c'est pas flagrant en tout cas. Ok. Là, on est sur la puissance. On revient sur la puce A14, effectivement. C'est vraiment le moteur, plus que les objectifs aujourd'hui, la qualité des appareils photo et des caméras. Et comme tout à l'heure pour l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro bénéficie de la valeur ajoutée de la puce A14 Bionic. C'est la même puce, a priori, entre les deux. C'est ce que j'ai l'impression. C'est l'impression. Donc, en gros, il n'y a pas une énorme différence. Mais c'était déjà le cas l'année dernière. Oui, bien sûr. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont de pro, alors? Ben, la troisième et le LIDAR. Et on va voir ce qui va se raconter sur la réalité augmentée. Du stockage certainement en plus, peut-être un peu plus d'autonomie, un écran plus grand. Très bien. C'est la différence entre l'iPad Air et l'iPad Pro, c'est la taille de l'écran. Les boutons sur le côté sont beaucoup plus insérés. Ouais. Sont beaucoup plus proches du bord. Ils paraissent moins... Parce qu'il n'y a plus la forme arrondie du châssis aujourd'hui, avec ce châssis carré si on le pose ici, devant moi, normalement. Ça tient, mais là, c'est un peu difficile parce que c'est parfois parfaitement plat. Mais ça tient, ou presque. Voilà. Mais bon, c'est une maquette qui est très lestée. On parle de caméra, on parle d'appareils photo. Okay. Qu'en est-il? Un grand angle. Ultra grand angle. Bon, ok, ils ont la même. Les 7 lentilles, comme dans le. On retrouve ce qui était sur le. Ils jouent beaucoup sur le logiciel, ça c'est sûr, plutôt que sur les optiques. Alors le zoom, qu'est-ce qu'on sait du zoom 12 millions de donc x4. x4. Jusqu'à maintenant c'était x2. x2, mais bon, c'est un peu loin encore des. Ouais, mais bon, on double. Ça monte sur ton Samsung, ça va beaucoup plus loin. Hein. Alors en théorie, c'est du x100, mais oui, bien sûr, c'est du x100 en numérique, mais c'est pas terrible. Donc là, c'est du x4 optique. Optique. Hein. Et je sais plus combien c'est en optique sur ça, mais je reviens, mais bon, c'est le Huawei, c'est à partir du P30 Pro qui est ultra performance sur les zooms. C'est lui qui, et on peut aller jusqu'à x5 en logiciel, et on peut avoir vraiment cette fameuse lune très nette. Donc là, on a un focus sur l'appareil photo. Alors, on va voir s'il y a quelque chose de plus qui va être raconté que le 12. Alors, bien sûr, il y a un objectif de plus. Donc 2,5 fois. Auparavant, c'était 2 maximum. Et au-delà de ce ratio, on perdait en qualité puisqu'il fallait cropper dans l'image. On a bien compris, zoomer dans l'image. Donc c'était un zoom numérique. On dirait qu'il y a un effort, en tout cas quelque chose qui a été fait sur l'ultra grand angle, qui avait tendance parfois à faire des photos un petit peu bizarres. Là, apparemment. Déformation. C'est le problème des grands angles, souvent. Là, c'est la photo. Hein, c'est toujours super quand il présente. Mais bon, là, il parle du nouveau sensor. Le nouveau capteur. Ouais. 47% plus large, effectivement. Donc, forcément, s'il est plus large, on capte plus de lumière. C'est ça l'idée, j'imagine. On dirait.
On dirait. Bah ouais, c'est ça, 87% de lumière en plus. On est, j'aimerais bien lui faucher son écran. Mais bref, il y a un joli écran. Alors, ce qui est dit actuellement, c'est qu'ils annoncent 87% d'amélioration sur la basse lumière. Ouais. Donc on aurait un appareil, vraiment la capacité d'avoir une meilleure photo en basse lumière, ce qui était le point faible, même s'il y avait toujours été vachement amélioré, bien sûr, très bien amélioré bien sur le 11. Et on voit le système de stabilisation, c'est ça, de lumière, c'est ce qu'on voit sur cette image. Qui existe aujourd'hui dans les... Qui existe déjà sur le 11. Oui, ouais. Et qui existe aussi dans les téléphones, dans les appareils photo classiques. Hein. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Mais qui est plus difficile à trouver dans les appareils, les photophones, parce que l'épaisseur fait bien que sûr. C'est compliqué d'avoir un appareil comme celui-là. Oui. C'est quand même... C'est vrai que communiquer sur la photo, c'est toujours porteur, parce que c'est ce que beaucoup utilisent. C'est vrai qu'il y avait quand même un grand retard par rapport au constructeur asiatique. Mais la grande force, c'est quand même la puce qui est à l'intérieur, qui permet de faire des choses logiciellement, que les interfaces d'iOS, d'ailleurs, qui ont été copiées par Android, en tout cas par les constructeurs, elle est devenue quasiment standard. Je pense qu'ils essaient vraiment de compenser, comme je l'ai déjà dit un petit peu par le logiciel, l'amélioration et la qualité des photos. Mais je serais curieux de voir la partie nuit si enfin ils rattrapent Samsung, qui était devenu le meilleur avec le S20, était devenu le meilleur du marché à ce sujet-là. Parce que on est beaucoup à faire des photos comme ça. Ouais, il y avait 3 secondes d'attente, tu te rappelles, quand on faisait là, sur le iPhone 11, on a 3 secondes d'attente quand on veut faire une photo en basse lumière. Ouais. On va voir si par exemple il faudrait moins de temps. Donc en résumé, là, il y aurait une performance améliorée de l'ordre de 87% en basse lumière. Donc là, il y a une annonce d'une nouvelle fonctionnalité pour les photographes pro qui utilisent du RAW. Ouais, donc l'Apple Pro RAW. Ils appellent ça le Apple Pro RAW, donc c'est un format. Le RAW est un format historique déjà. Mais Apple propose, donc le RAW c'est un format non destructif exactement. De la photo. Les photographes les puristes, quand ils sortaient une photo numérique sur des Hasselblad, sur des beaux boîtiers, etc., c'était en RAW et ça faisait plusieurs centaines de mégas, voire même plus. C'est très lourd. Donc tu pouvais changer tous les éléments qui utilisent la puissance de leur computational photo, donc en gros leur intelligence artificielle, pour améliorer les photos. Mais dans un format RAW, donc un format qui se veut être non détruit ou non altéré. Ouais, non, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire du retraitement après, en post-processing, dans des outils de traitement de photos. Alors, ce qui est intéressant là, avec cette annonce, c'est que là, Apple vraiment se positionne différemment des acteurs des autres en disant finalement, on apporte toujours notre solution logicielle liée à notre hardware pour avoir quelque chose de spécifique pour les professionnels. Donc, à nouveau, toujours cette touche qui fait qu'ils veulent se positionner différemment et proposer quelque chose d'unique. Alors, on comprend mieux le mot pro, peut-être, parce que le pro RAW serait réservé. Ah oui, on comprend là. Serait réservé à l'iPhone 11 Pro, à 12 Pro, pardon, et pas à l'iPhone 12, a priori. Très clairement. Donc ça reprend quand même le concept général du RAW, ce qu'on est en train de découvrir là, l'image, tout simplement. Bien sûr, mais c'est quand même un progrès, et visiblement, ils utilisent les capacités de la 14 bionique au maximum, et c'est sûrement une bonne chose. On verra les résultats, on verra les comparatifs, on demandera à Hubert Gizmo de nous faire un super... Qui fait un indice de classement pour les appareils photo, les photophones notamment. Pour l'instant, le premier c'est le S20, le deuxième c'est le Huawei P40, le P30 est derrière et le iPhone 11 je crois est quatrième. Donc t'as eu même l'ancienne génération de Huawei était encore meilleure que le P11. L'iPhone 11 sur certains... C'est une sacrée guerre, une sacrée course en matière de qualité photo, c'est l'un des arguments forts, en tout cas pour les hauts de gamme, hein, pour se positionner. Pour l'entrée de gamme, il y a d'autres arguments, notamment la taille. Il semblerait qu'Apple ait choisi vraiment le plus petit modèle du marché. Les photos présentées sont extraordinaires. Que ce soit en noir et blanc, avec différentes... Elles sont toutes magnifiques. Le contraste, les lumières magnifiques. Je voulais montrer, mais effectivement, l'iPhone... C'est de très belles photos, mais dans les présentations, forcément, c'est des photos qui sont très léchées. J'aimerais avoir ce talent-là, que personnellement, je n'ai pas. Alors, là, on parle de pro vidéo, là. Alors, on sait que... Ils vont adapter certainement la même chose que ce qu'ils ont fait à la photo, à la vidéo. On va voir dans quelques instants comment. C'est-à-dire, pour utiliser, il y a une série qui nous invective par rapport au Twitter, de WhatsApp d'en refait le Mac. Bref, pour l'utiliser à des fins professionnelles cette fois-ci, comme un outil de captation. Nos maisons sont devenues nos studios. Hein. Pardon ? Maisons sont devenues nos studios. Oui, je te confirme, c'est plutôt mon studio qui devient ma maison en ce moment. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui faisaient les late shows qui se sont mis à filmer dans leur maison. Forcément, parce qu'ils étaient confinés. Bien sûr, et l'iPhone a souvent été utilisé dans ces productions. Donc c'est intéressant de voir qu'ils sont en train de creuser cet axe-là, on va le voir comment. Après avoir un petit peu le marché du smartphone, un petit peu dynamité le marché des téléphones, des appareils photo, il n'y a quasiment plus d'appareils photo compacts, de marché d'appareils photo compacts, à part celui du Reflex, ou des hybrides. Aujourd'hui, ils s'attaquent au marché pro de la vidéo.
Là, on peut enregistrer. C'est le premier smartphone qui est enregistré en Dolby. Dolby Vision HDR. HDR, ouais. Waouh! Voilà qui va faire de belles images pour des duplex à l'extérieur. Donc, on fait du mal qu'on rêve de sortir. C'est pas trop dans l'air du temps, malheureusement. Il ouais. y a un commentaire qui est marrant qui dit pourquoi la qualité des appels téléphoniques n'est pas abordée. Il s'agit d'un téléphone. Oui, il y a d'autres arguments. Merci, Marc. Non, mais c'est une question intéressante. Ouais, c'est bien vu. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement la fonction téléphone était la fonction première de l'iPhone. Aujourd'hui, est un, on va dire, c'est, voilà, c'est non, devenu. La c'est une autre réaction de Gabriel Thiriez, pardonnez-moi, iPhone 12, bizarre, on ne parle pas de, ma, de la capacité de stockage ni du Wi-Fi. Exact. On va y arriver, j'espère qu'il y aura du Wi-Fi 6. Je pense que le stockage va être adressé sur les prix. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu cette annonce-là. Mais ça va être une manière aussi de différencier l'iPhone 12 de la version Pro. Messieurs, hein, à votre avis, 64 ou 128 en entrée de gamme? C'est la question. À mon avis, ce sera plutôt du 128 pour différencier par rapport à l'iPhone SE. On va voir. Là, il y a une présentation d'un cinéaste qui s'appelle Emmanuel Lubetsky qui est donc cinéaste et qui a utilisé l'iPhone 12 Pro Max, je suppose, pour faire un film et montrer les capacités vidéo. Donc il a eu un petit peu avant. Il a eu un petit peu avant, ça c'est certain, et c'est vrai que les images sont magnifiques. Ouais, c'est ce que fait souvent Apple ces derniers temps en proposant déjà des réalisateurs, notamment français, d'utiliser. Il l'avait fait pour l'iPhone 11 Pro. Il y avait d'ailleurs un très bon petit court métrage sur YouTube qui était très sympa. Et donc, alors il faut penser à une chose quand même. Hein. Moi j'ai regardé en détail le truc. L'appareil, il est très souvent positionné avec un matériel autour, un gros stabilisateur autour, et il y a quand même beaucoup de post-processing derrière, de post-prod pour améliorer l'image. Mais globalement, ça fait le job. Et parfois, il y a un objectif devant l'appareil. Donc, on utilise juste le capteur de téléphone. Oui, d'abord, il y a un iPhone, et puis derrière, il y a 15 mais personnes. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils ont un directeur photo, ils ont un ingénieur du son, ils ont des éclairagistes, ils ont des ingénieurs vision. Par contre, ce que mettent en avant beaucoup les réalisateurs, c'est la légèreté de l'appareil qu'on peut positionner partout et faire des plans. Très nouveau. Ouais. Ça, c'est vrai. Et puis, l'année dernière, l'une des souvenez-vous, démos qui avait fait sensation, c'était ce logiciel dont le nom m'échappe, évidemment, l'application de caméra, tu sais, qui permettait d'avoir... Les trois caméras utilisées. J'ai pas entendu. Vous pouvez répéter. On veut me le souffler en régime, on n'a pas le temps de mettre d'oreillette. Qui permettait d'avoir les plusieurs flux en même temps. Ouais. On a vu qu'on était c'était un peu plus compliqué dans les faits. Cette année, lidar. On n'y revient pas. Ah, alors, le lidar. La principale nouveauté au-delà du zoom et de la qualité de l'image et du format, c'est l'arrivée du lidar, qui est déjà apparu sur l'iPad. Ouais, moi, lidar, la question, c'est pourquoi un nouvel usage. Hein. Que nous prépare Apple avec ce lidar? En régie, ça serait une bonne idée si vous m'apportiez une remote d'un écran de retour, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le LiDAR? Ça sert essentiellement aujourd'hui. Vous qui l'avez utilisé sur l'iPhone 11 Pro, l'iPad Pro. Non, je l'ai pas utilisé. Moi. Pour l'instant, on sait qu'il semblerait qu'Apple nous prépare quelque chose. Un écosystème autour de la réalité augmentée. On pense bien sûr à des lunettes de réalité augmentée. En bas, Tim Cook s'il te plaît. A souvent rappelé que l'AR était un élément clé de l'avenir d'Apple. Et alors, l'intérêt de LiDAR, là, et ce qu'ils mettent en avant, c'est que ça va permettre d'améliorer l'autofocus. C'est incroyable, surtout avec en faible luminosité. Oui. C'est intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. Je te sens songeur, là. Non, je me sens jamais parce qu'en fait, on l'a vu. Nous, on l'a vu comme étant un objet pour la 3D, pour. Enfin, eux, ils s'en mettent pas. Regarde, la réalité augmentée. On peut pas le voir, mais pour l'instant, ils parlent du lidar comme en étant un moyen, un outil pour améliorer la qualité des photos. Ouais. On pense naturellement à la profondeur de champ. Voilà. Très clairement, mais... en fait, pour rappeler, le lidar, c'est un outil qui permet en fait de mesurer une sorte de radar qui permet de mesurer la distance. C'est ce qu'on utilise sur les voitures autonomes, par exemple. Oui, sur les Tesla notamment. Et donc, c'est véritablement pour bien comprendre que ça permet, avec un traitement logiciel, d'avoir une meilleure perception. Alors après le lidar, donc on va encore une fois, moi je pense qu'Apple nous prépare quelque chose, un écosystème, pour qu'une fois que cet écosystème est mature, que les usages se développent, nous sortir peut-être un objet qui pourrait être des lunettes de réalité augmentée. On revient à un autre sujet fort et une autre avancée de cet iPhone 11 Pro et 12 Pro et 12 Pro Max, pardon, c'est la 5G bien sûr, donc il y revient, et notamment pour des vertus relativement médicales, hein, c'est ce que nous décrit Greg Josviak, pardon.
Alors pourquoi le 11 Pro plutôt que le 11? Je ne sais pas, c'est de manière générale, je pense. C'est pas le 12 Pro plutôt que le... Là, on parlait quand même d'imagerie médicale qui pouvait être vue, faite, transposée sur un iPhone et vue en temps réel par un médecin de l'autre côté de la planète. Ouais, c'est une démonstration de sa puissance. Bien sûr, pour démontrer déjà la puissance de l'appareil, mais aussi de la 5G. Et il dit que c'est la plus belle des choses qui peut être faite et qui devra être imaginée par les développeurs. Pour créer des applications comme celle-ci, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Parce que je rappelle quand même, la 5G, une des plus grandes vertus, c'est bien sûr la vitesse, mais c'est le temps réel. On est à une milliseconde de temps de latence versus 10 millisecondes de la 4G. Non, mais c'est important. Je vais essayer d'être plus vite que la 5G, mais je n'y arrive pas. Oui, ça va venir. Tu n'as pas de temps de latence, c'est ça? Je suis en train de regarder les questions. Tu as une milliseconde de temps de latence versus 10 sur la 4G. Alors, donc ça, juste pendant qu'on parlait de ça, il mettait en avant aussi la démonstration du LIDAR qui pouvait servir à des professionnels pour scanner une pièce et arriver à avoir de l'agencement. Et ils annoncent une réduction de coût de 90% sur ce type de fonction, autrement dit, puisqu'on passe de semaines à des jours pour arriver à mapper une carte, une place, enfin une pièce, pardon, et faire en sorte de savoir positionner les différents éléments, comme par exemple lorsqu'on doit monter une usine et faire en sorte de positionner les objets. Et les chaînes de production. Alors, on a aperçu à l'image, effectivement, l'ensemble des fonctionnalités réunies de cet iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Vous l'avez dans l'écran, c'est magique. Bravo la régie. Et on a droit à une petite publicité pendant ce temps-là de l'iPhone 12 Pro. Bon, voilà. C'est le résumé. Vous le connaissez, hein, l'iPhone 12 Pro. Vous l'avez vu, ça fait à peu près une heure et quart qu'on est ensemble, avec beaucoup de plaisir. Merci d'être aussi nombreux. Et vous êtes très nombreux à nous suivre. Et on apprécie une heure de keynote. D'habitude, ça dépasse rarement les une heure et quart en version confinée des keynotes d'Apple, en version remote. On attend un One More Thing. Quel One More Thing pour ce soir, messieurs? Vous avez 30 secondes. Damien. Allez. Quel One More Thing? Qu'est-ce que tu prédis One More ce soir? Excuse-moi, pardon, j'étais... Parce que je veux rêver un petit peu. Apple TV. Ouais, il y a des chances, ouais. Ou on appelle ça le tag. Le AirTag. Le AirTag? Non, une pub pour On Refait le Mac? Ouais, je n'y crois pas. Tim, on l'a rencontré, il nous dit j'écoute On Refait le Mac. Non, c'est un podcast vidéo, Tim. Bref. Moi j'aimerais bien tout simplement un Apple Silicon. Qui sait, on parle de processeurs de puces, mais apparemment, il semblerait plutôt qu'Apple se dirige vers l'organisation d'une nouvelle keynote au mois de novembre. La vraie question, en fait, ce soir, autour des iPhones, pour revenir aux iPhones, et soyons plus sérieux, on devait en parler en pré-keynote, mais comme on était un peu en retard, c'est le bon moment maintenant d'en parler, c'est la disponibilité de ces iPhones. On a quelques... informateurs, vous le savez, qui partagent avec nous quelques secrets. Qu'est-ce qu'on sait sur la disponibilité de l'iPhone? On va voir déjà ce qu'on va nous dire dans un instant, mais c'est là le vrai enjeu. Apple a près d'un mois de retard pour la disponibilité du produit. Il serait étonnant que l'ensemble de la gamme soit disponible la même semaine, dès la fin de la semaine prochaine. Il semblerait qu'il y ait deux lancements de prévus. Les trois amis. Peut-être même. D'accord. Peut-être trois. Ah, pour l'instant, on n'a pas eu de prix. Le 12 mini tout d'abord, le 12 Pro et ensuite le 12 Pro Max à la fin. Mais bon. On devrait avoir la réponse dans quelques instants. 12 Pro et 12 Pro Max. Alors, pour l'instant, Cédric nous donne une information intéressante. Il sera l'HomePod mini sera bien à 99€, donc il n'y aura pas de taxe Apple. Ah, tu vois, mauvaise langue. Voilà, on a les prix de l'iPhone 12 qui sont tombés. Le 12 Pro commence à 999$ à 128Go. Voilà, la version de base 128 Go, et il se décline en combien de gigas après? 128, 256, oui, c'est ça? Et 512, et le Pro Max sera à 1099$, donc 100$ de plus. D'accord, et c'est disponible Dès le 16, en pré-order. Alors, en pré-order le 16. Ah oui, le 12. Aussi. Donc, ils sont tous disponibles, pas tous en même temps, les amis. Octobre. Ils seront tous disponibles en pré-order, donc on pourrait le précommander le 16 octobre. La disponibilité d'Apple, monsieur Apple, on devrait les savoir, mais bon, c'est pas grave, on n'a pas encore la disponibilité finale. Hein. La disponibilité, il y aura deux lancements, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 voilà, Pro. Voilà, regardez la réponse. Alors, 12 Pro seront pour le... Alors, attends, regarde, l'iPhone Mini disponible, pré-order 6 novembre et le Pro Max 6 novembre. Donc il y a bien un décalage, les versions classiques sont disponibles de suite en pré-order, mais on n'a pas la disponibilité finale, hein, c'est du pré-order. Si, disponibilité 13 novembre, il a dit. Pour tout le monde. 13 novembre pour le Mini et pour le Pro Max, et le 12 et le 12 Pro
le 16 et 23 octobre. Il faut que je vérifie ça, les amis. Si, j'ai vérifié. Bah attends, tu peux estimer, je peux t'assurer que ça. Alors, l'iPhone 12 serait disponible le 16 octobre en précommande, disponible le 23 octobre. Voilà. Et l'iPhone 12 Pro serait disponible le 6 novembre en précommande et le 13 novembre à l'achat. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est Didier qui nous sort cette info, mais c'est plus compliqué. Annoncé, hein. Non. Non, vous avez pas bien vu, regardez bien. Mais on va regarder ce que nous disent nos voisins. Voilà. Parce que là, apparemment, il ne serait pas du tout disponible en même temps. Je ne comprends pas très bien. Le 16 pour le 12 et le 12 Pro qui ont la même taille, plus ou moins. Le 16, c'est quoi 16 octobre. 16 octobre avec la précommande et la disponible le 23. D'accord. Et le 6 novembre et le 13 novembre pour le Mini et pour le Pro Max, c'est-à-dire les deux formats un peu nouveaux. Ok, très bien. 16, 23 et 6 et 13 novembre, voilà, c'est exactement. Plus clair maintenant. Très bien. Voilà, on est revenu avec Tim Cook qui résume les annonces hein, qui ont du jour. Hein. Il fait en conclusion de keynote, c'est une habitude maintenant, le retour sur les différentes annonces du jour. On a vu le HomePod hein, qui est la bonne surprise, 99 €. Je vous invite à vous connecter sur l'App Store, les amis, pour regarder si vous avez les prix en euros. Et c'est la fin de cette keynote déjà du côté de... Ils n'ont pas fait l'annonce de Max. Non, pas cette année, peut-être l'année prochaine. C'est la fin de... On quitte le Steve Jobs Theater et l'Apple Park. Ouais. Pour remettre le cap sur Paris et on refait le Mac. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous remettre cette magnifique slide en plein écran pour qu'on regarde les prix ensemble, parce qu'on ne les a pas abordés, l'aspect prix, pour voir vraiment la gamme comme elle se présente aujourd'hui, les amis en régie. Vous avez donc l'iPhone SE qui commence à $399, qui suivi par l'iPhone XR. C'est bien ça, oui. À 499 $ qui reste dans au catalogue. Suivi de l'iPhone 11 qui demeure au catalogue à $599 et de l'iPhone 12 à $699. Quant à l'iPhone 12 Pro, il fait un bond qui est beaucoup plus important, près de $1000, $999 pour l'entrée de gamme. Dès qu'on a les prix sur l'App Store, on vous les donnera tout de suite. Allez, un premier sentiment, un premier bilan. On va commencer peut-être avec Damien. Qu'est-ce que tu penses de ces annonces? Pas d'Apple TV, pas d'Apple Silicone, mais quand même, le HomePod qui est, et pas de tag, pas tag, d'Apple Tag. Mais il vient sortir un jour, ça fait presque 3 ans. L'Air Tag, c'est pour la suite. L'Air Tag, ce sera la clé supplémentaire de l'écosystème. Et typiquement, le HomePod Mini est la première pierre vers cet écosystème global géolocalisé. Parce qu'en fait, c'est quoi l'annonce principale de l'HomePod Mini? C'est de dire qu'on peut géolocaliser l'information. Exemple typique, ils l'ont dit, hein, lorsqu'on a son iPhone et qu'on s'approche de l'iPod Mini, il nous reconnaît et il sait que c'est nous. Donc si on lui parle, qu'on lui demande c'est quoi nos rendez-vous, il va vous les dire. Si c'est Laurent qui s'approche, il n'aura pas mes informations. D'accord. Donc l'AirTag, c'est pour la fois prochaine. Pour moi, finalement, l'iPhone 12, bah, c'est très bien, mais finalement, j'ai pas de surprise majeure, c'est mon ressenti. Hein. Ouais. Mais c'est une belle bête, un bel appareil, et la version Pro est assez impressionnante. C'est ça, vraiment la vraie surprise. C'est le Mini, ouais. Pour moi, c'est le Mini qui est intéressant, et sinon, j'adore le HomePod Mini, il me plaît énormément. 99 €, Apple va en vendre, il est stéréo, mais vous pouvez le coupler. Alors, j'ai le prix pour l'instant de l'iPhone 12 qui vient de tomber, on n'a pas encore le prix de l'iPhone 12 Pro. À partir de 809 €. Ouais. Ah, attention. Donc, on précommande, c'est bien ça, le 6 novembre en France. En France, il sera en précommande le 6 novembre, l'iPhone 12 mini. Quant à l'iPhone 12 tout court, il est à partir de 909 €. Il sera en précommande le 16 octobre. Voilà, donc on va voir la... Et donc, en fait, disponible le 23 octobre pour l'iPhone 12 Pro et disponible le 13 novembre pour l'iPhone 12 Pro Max. Et l'iPhone 12 Pro, les amis, si vous voulez prendre le relais, allez-y, veuillez décrire, s'il vous plaît, parce que j'ai la vue qui baisse. Voilà, l'iPhone 12 Pro, quels sont les prix? Le Pro Max, vous l'avez, regarde. Voilà, Pro, il est à 1159 pour le 12 Pro, il démarre, et le Pro Max à 100 € de plus, 1259. Voilà, donc ça reste à peu près dans les prix de l'année dernière. Voilà. En fait, la bonne surprise, c'est le prix, évidemment, de l'iPhone Pro. L'iPhone 12 mini, ça devient compliqué. C'est une bonne surprise à 800. Non, mais qui est 100 € moins cher. Donc, c'est un ticket d'entrée un peu plus... C'est quand même un appareil très cher, je trouve. Oui, c'est cher, mais ça permet de baisser un petit peu le prix. Le prix n'est pas mini. Ouais. Surtout que tu m'as dit tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il n'y avait plus beaucoup d'écart entre le SE, tu m'as dit oui, mais il sera plus cher. Et effectivement, il est plus cher. Oui, il sera plus cher, effectivement. Je vais essayer de vous trouver le prix de la gamme, si on les a aujourd'hui. Le site d'Apple, il est saturé. On va comparer. Voilà, on les a.
Alors, oui, mais j'aurais bien voulu avoir plus que l'iPhone mini. Je voudrais l'iPhone... voilà. Alors, en attendant, je remercie Eva pour sa donation sur le chat. Le dire, hein. Merci Eva. Et puis merci pour tous vos commentaires. D'ailleurs, tous vos commentaires et différents éléments que vous nous donnez, c'est toujours un plaisir. Mais merci Eva. Oui, bien sûr. C'est trop. C'est trop. Voilà. Mais voilà. Donc pour l'instant, on a les prix qui sont résumés. Donc ça reste un petit peu dans les dans le niveau de prix de l'année dernière. Apple n'a pas cassé les prix. Essaye un petit peu de beauté en touche avec un positionnement marketing différent, avec un form factor différent autour de l'iPhone mini, avec le 12 mini, qui est un petit peu en retard. Donc c'est lui hein, qui bloquait et c'est le qui bloquait un petit peu la prod. C'est bizarre, puisqu'apparemment, il n'y a rien de particulier. Alors la réponse, c'est que les dalles plus grandes, que le LiDAR, il n'y a pas le LiDAR. Ou... C'est assez bizarre. Ouais, là, on a à l'écran tous les prix. C'est sûr que le mini à 809 €, ouais. Même avec un abonnement ou un renouvellement d'abonnement, il sera aux alentours un peu plus, peut-être de 400, je ne sais pas. Ça va quand même ça va être beaucoup. Mm-hmm. Mais bon, c'est bien. C'est bien. Mais globalement, on a une gamme maintenant complète. On n'a pas qu'un seul téléphone. On a le premier, le SE, qui reste à 399 $. Mais donc, je ne sais plus à combien, 489 € en France. Voilà. Et dans le coffret, regardez, vous avez toujours les AirPods obligatoires et le câble USB-C. Mais il n'y a plus de chargeur. Et attention, comme vous pouvez le voir, il faudra un chargeur USB-C. USB-C, voilà. Ouais. Donc, il faudra l'acheter. Pour l'acheter ou recycler celui de l'année dernière, si vous avez un iPad. Sachant que l'adaptateur USB vers USB-C femelle coûte quelques euros sur Amazon. Super. C'est quelque chose qui est très standardisé aujourd'hui en plus. Ah, mais tu risques de le perdre. Enfin. Bon, question toute bête, messieurs. Est-ce que vous envisagez ce soir d'acheter un iPhone 12 et si oui, quel modèle? On commence avec Damien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie pro. C'est le pro, très clairement, sur la partie vidéo, sur la partie photo. C'est plutôt ça. C'est déjà mon 11 Pro. J'étais vraiment content de cette qualité-là. Donc, si on peut améliorer ça, notamment sur la photo de nuit, je signe tout de suite. Laurent, est-ce que tu as changé ton iPhone cette année ? J'ai changé mon iPhone cette année, enfin l'année dernière en l'occurrence, parce que j'avais noyé mon iPhone 10. Ah oui, tu l'as fait exprès pour pouvoir changer. Je sais que c'est comique de répétition. J'adore le form factor. C'est vraiment j'ai adoré l'iPhone 4, 4S, donc avec ses bords plats. Je trouve le form factor. Je vais l'essayer. Tu vois, il n'y a pas non plus de gap astronomique, un peu plus rapide. Il y a la 5G. Je pense que c'est la question va être la 5G. Si la 5G sort en France et elle va sortir bien évidemment dans les grandes villes, a priori. Décembre. Oui. Alors voilà. Si elle sort effectivement en décembre, ça peut valoir le coup. Décembre. Si. Si elle sort en mars, en décembre, si elle sort en mars ou en avril l'année prochaine, à la limite, tu peux attendre une génération de plus. En sortir en décembre. Voilà. Fin de l'année. Je suis en train de regarder les spécifications de l'iPhone 12 Pro, donc il y aurait bien du, a priori du Wi-Fi 6, hein, bien sûr, c'était déjà le cas l'année dernière. Ils n'ont pas parlé de la batterie. Mais si je suis en train de chercher, pas de durée, pas de stockage minimum sur les premières gammes. Alors, en termes d'autonomie, lecture vidéo jusqu'à 17 heures pour l'iPhone 11 Pro. 12 Pro classique, pour le 12 Pro Max 20 heures, en streaming 11 heures pour le 12 Pro et pour le 12 Pro Max 12 heures également, en lecture audio 65 heures, 80 heures pour le Pro Max, donc a priori ce serait grosso merdo le niveau des merci en régie encore une fois, ce serait le même niveau que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on monte en puissance donc on consomme plus, mais d'un côté on grave plus finement, donc on a plus de on consomme moins d'énergie. Et puis sur le 6,7 pouces de l'iPhone 12 Pro, on a certainement une batterie qui est un peu plus puissante, mais vous savez qu'Apple ne donne pas la puissance de ses batteries, contrairement à la concurrence, donc c'est difficile de le dire, mais on le saura lorsque nos amis de aidez-moi, qui ouvre tous les iPhones et tous les iFixit ouvriront, et donc on aura forcément l'impression que le, parce que moi je crois que j'ai un 11 Pro 256 et il me semble qu'il était il est à 1359 et là je crois qu'il a 1279. Donc c'est un petit peu il semblerait, on a eu l'information quand même que le dernier modèle, donc le Pro Max maximum chargé à 512, il est moins cher que le 10S Max à son lancement. Ouais. Alors je dis pas qu'Apple va devenir gentil et nous faire des remises. Ça c'est le premier sujet. Bon, mais après on verra bien. Mais déjà il y a pas d'explosion des prix. C'est Et le deuxième sujet. Alors j'ai écrit un article l'année dernière et je vais le renvoyer à Stéphane parce que j'explique toujours que quand on regarde les prix Apple sont en dollars hors taxes.
Oui, conversion en euros, ça réduit le montant. T'as 7% de taxes. Même la détaxe, c'est plus intéressant de l'acheter à New York que... Peu importe. Ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas de la faute d'Apple. Je veux pas te défendre Apple. Je dis juste que quand la TVA fait 20% et que derrière, tu as une taxe sur le stockage, la donnée stockée, tu y es pour rien. C'est encore hein, la surfiscalisation. Je vais encore me faire des amis dans les commentaires. Hein. Ouais. Mais autre sujet, donc confirmation de l'iPod. De l'HomePod mini à 99 €. Oui. 99 $ hors taxe, on va prendre 10% pour arrondir, hein, ça fait 109 $. Ramené en euros 10%, tu arrives au même tarif, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même un avantage, il y a quand même une baisse de prix. C'est une exception quand même chez Apple. Hein. Oui, mais non, ça veut dire quand même qu'il y a peut-être possiblement un prix qui est inférieur, je referai tous les calculs, mais de 20%. Pour le HomePod mini par rapport aux États-Unis. Alors, je vous répète les dates de disponibilité donc des iPhone 12, puisque maintenant c'est plus clair. Pour l'iPhone 12 Pro déjà, il sera en précommande le 16 octobre à 14h et disponible le 23 octobre à la vente. L'iPhone 12 Pro Max, lui, sera disponible le 6 novembre à 14h et disponible à la vente, oui c'est ça, le 13 novembre. Quant à l'iPhone 12 de base avec l'écran de 6,1 pouce sera disponible en précommande le 16 octobre et à partir de 14h et sera disponible à la vente le 23 octobre. Par contre, le 12 mini, c'est bien là où le bas baisse, sera précommande le 6 novembre et disponible le 13 novembre, juste un mois avant Noël, à mon avis. Voilà, ils ont vraiment du mal et je ne comprends pas d'ailleurs où est le goulet d'étranglement pour ce petit téléphone. Je ne comprends pas. Les chaînes de production sont plutôt designées pour des appareils plus grands. Et donc tu crois que c'est parce que c'est une vraie chaîne de production, ça nécessite de décalage plus important et... Oui, parce qu'en fait, on est sur une taille qui n'est pas la taille habituelle des autres modèles. Ouais. Donc, il y a peut-être une chaîne de production qui a été montée en particulier. Là, je regardais les commentaires sur le chat de YouTube. Une question, par exemple, de Guillaume. Est-ce que les 5G US et FR sont les mêmes? Ça n'a pas été précisé. Par contre, il y a eu un panel d'acteurs mondiaux, dont Orange. Qui a été mentionné comme étant les partenaires privilégiés d'Orange. Donc on peut imaginer que tout marcherait bien. Je fais une hypothétique, hein, mais si effectivement Apple couvre plus toutes les bandes, il y avait une volonté de couvrir beaucoup de bandes, ça veut dire qu'en fait, ils se font avec un seul téléphone, ils couvrent le monde entier. Oui. Et ça évite d'avoir des téléphones. Ce qui fait des économies d'échelle assez intéressantes. En priori, c'est les mêmes bandes pour tout le monde. Hein, donc je vais regarder. Bon, on va regarder l'iPhone 12 Pro. Allez, dans les caractéristiques techniques, qu'est-ce qu'ils nous disent pour la 5G? Alors, capacité, dimension et poids, écran, résistance aux éclaboussures, puce, appareil photo, et enregistrement vidéo, caméra tout def, Face ID, Apple Pay, réseau cellulaire sans fil, attention. Alors, aïe, aïe, aïe. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les dominations européennes, mais passons. Donc, alors, il y a plusieurs modèles, déjà. Il y a un modèle A2407 et un modèle A2. 1,24, alors je reprends. Vas-y, reprends. Il y a un premier modèle A2407 qui sera commercialisé, un autre modèle A2411 qui sera commercialisé en fonction des zones, hein, j'imagine, États-Unis, Japon, Chine et Europe. Et vous avez un modèle qui s'appelle tous les modèles, a priori, qui devrait couvrir la plupart des pays. Alors, la 5G, des bandes qui seront couverte. Vous avez la 5G NR, c'est-à-dire la bande 1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N28, N38, N40, N41 et jusqu'à N79. Ça ne nous dit pas grand-chose par rapport à... Non. Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a du 700 MHz. Je regarde, je ne vois pas de 700 MHz. A priori, ça commence plutôt en 800. En GSM, c'est en 850. Il n'y a pas la version 2407. Elle ne serait pas taillée pour le marché français. Déjà. La 2411, on va voir. Hein, après... Bon, ça n'est que le... Voilà. La 5G NR, bah, je ne vois pas de 700 MHz non plus, a priori, mais après, la manière dont ils classent leur fréquence, c'est peut-être... On n'aurait pas forcément l'équivalent européen, donc je suis un peu dubitatif. On leur posera la question. Et enfin, tous les modèles, ce n'est pas spécifié le type de fréquence. Ils précisent juste gigabit LTE 5G avec MIMO 4x4 et LAA. Alors, que me dit Cédric sur WhatsApp? Oui, Cédric. Tous les différentes versions. Ouais, oui, je sais bien, mais c'est pas clair, Cédric. Il faudrait que tu nous éclaires. La prochaine fois, viens en plateau. Déconfine-toi. Voilà. Mais apparemment, on en posera la question, mais c'est pas très clair. Bon, pareil, énormément de questions sur le 120 Hz. Le 120 Hz, il y a au moins 100 commentaires sur le 120 Hz. Si tu veux jeter peut-être une
petit coup d'œil sur le site d'Orange. Peut-être qu'on aura l'info. Si, ce ne sera pas tout de suite. Si on fait les commandes vendredi, ce sera vendredi. Hein. Non, mais peut-être qu'ils vont. Je vois mal Orange ne pas commercialiser un téléphone qui ne marcherait pas. Oui, justement. Donc c'est pour ça que. Non, mais il marchera en France. Mais il y a des zones de 5G qui seront plutôt sur des fréquences que d'autres. C'est bien. C'était une des discussions qu'on a eues avant-hier ou hier, je ne sais plus, au Sénat. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'attendre que des séries futures des 5G, des iPhone 12 pour pouvoir couvrir. Bah là, pour l'instant, c'est difficile d'y répondre parce qu'on ne sait pas encore, parce que c'est pas encore spécifié réellement et de façon très claire sur le site d'Apple. Pour l'instant, bien sûr, ouais. c'est pas très clair. Il n'y a rien sur le site d'Orange encore. Non. Gilles Ramy nous dit que N28 égale 720 Hz. Merci Gilles Ramy. C'est plus clair comme ça, donc a priori le seul argument que j'ai retenu, mais c'est un peu flou et c'est un argument marketing, c'est que l'iPhone 12 Pro serait le modèle du marché qui couvrait le plus large spectre de fréquences. Ouais, Annecy, on verra, on en sera plus quand on rencontrera les gens d'Apple à distance, comme il se doit, j'espère, assez rapidement. Par contre, on constate que Apple, dans sa mensuétude, fait encore démarrer à 64 gigas. Donc, l'iPhone 12, voilà, j'avais envie d'aller voir ça. Hein? Donc, on attaque sur du 64 gigas. C'est quoi, sur l'iPhone 12, l'iPhone 12 c'est 256, il n'y a pas le 128 ou pas Je crois qu'il faudrait acheter un 8 gigas. D'habitude, il saute. Je vais revérifier ça. Je suis allé voir le prix du chargeur MagSafe. Oui. 45 euros. En France. Donc c'est là que nous dit priori... transparente avec MagSafe. D'accord. 55 euros. C'est ça. Cédric nous dit qu'il y aura en fait trois modèles. Donc le premier modèle que je vous ai présenté serait pour le Canada et les US, un autre pour le Canada et le Japon, et le dernier, full LTE, donc ce serait pour le comme reste du monde avant, et l'Europe. En fait, comme on avait avant. Et a priori, ça couvrait le plus large spectre de fréquences. Qu'est-ce qu'on sait sur le MagSafe? On a la petite coque en cuir, je vais faire un petit commentaire parce que je l'ai sous les yeux. 55 euros en silicone. Alors, pardon. La petite coque en cuir, 65 euros, qui existe en quatre couleurs. Pour le porte-carte. Qui est l'écran de nos auditeurs. Donc, il existe en bleu, en orange, en rouge et en bleu. Non, il ne prenait pas la carte Apple Pay. La carte Apple avec, dommage. Non, c'est dommage. Par contre, la carte Navigo, c'est très bien. Mais si tu veux donc la première coque en silicone la moins chère pour l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro, c'est 55 euros en silicone. Et là, tu as donc le fameux aimant, c'est ça? C'est ça. Ok. Tiens, la version transparente. Alors, le chargeur MagSafe, donc c'est bien un chargeur d'Apple. C'est pas un chargeur d'une marque tierce. Apple propose donc bien un chargeur, mais c'est un chargeur pour l'instant unique. C'est une simple petite poêle, dirons-nous, un petit rond. Et il est facturé 45 euros. Qui rappelle la forme d'ailleurs du chargeur de l'Apple Watch. De l'Apple Watch, ouais. Tout à fait. Et pour te répondre sur les formats de stockage, Stéphane, 64, 128 et 256 ils ont pas fait le saut comme sur l'iPhone 12. D'accord. Donc on est vraiment sur un positionnement de marché qui est qu'il part du principe qu'on n'est pas sur des gens qui vont, on va dire, faire de la vidéo, faire la vidéo ou de la photo. On va répondre à nos auditeurs qui s'excitent en nous demandant mais quel est le prix de l'iPhone 12. On va répondre, l'iPhone 12, le prix commence à 909 et 809 pour l'iPhone 12 mini. Ouais, donc en fait, ça va être compliqué la semaine prochaine qu'on propose un test de l'iPhone 12, mais le grand modèle, pas le modèle mini. Il y aura plusieurs versions dans Refait le Mac. C'est l'occasion de recevoir aussi, souvent. Pas mal de questions. Oui, c'est de l'OLED. On s'était dit au tout début. Ouais. 220 Hz sur la gamme Pro. Et pas de Touch ID, parce que plein de personnes disent, mais on a l'impression que sur le bouton, il y a un Touch ID, ce qu'on a vu lors de la précédente keynote, le Touch ID intégré dans certains modèles d'iPad. Et ben là, non, il n'y a pas de Touch ID. Sur le bouton latéral, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de Touch ID, c'est-à-dire qu'en fait, il faut continuer à se coltiner le fait que Face ID ne nous reconnaisse pas avec les masques. On va voir s'il paraît. Enfin, j'ai cru apercevoir qu'il allait être un peu plus rapide, mais avec le masque, c'est quand même pas génial. Effectivement, il y en aurait pu effectivement voir arriver Touch ID, voire Touch ID sur l'écran, qui est arrivé dans le monde Android également. Hein, c'est pas qui c'est pas très pratique, franchement. Ok. Donc MagSafe, vous avez vu, donc c'est l'autre principale nouveauté. Donc il y a tout un écosystème qui va arriver et des accessoires. Oui, c'est bon. Moi, je vous le cache pas, je trouve ça pas mal. On avait envisagé un système où on posait le téléphone sur, et ça tombait pas au bon endroit. Là, il y a plus de problème de bon endroit. Oui. Il se met comme la montre. Hein. Oui. Moi, je trouve ça... Les deux surprises pour moi de la soirée, je vous le dis, c'est
HomePod Mini, dont j'ai vu la photo tout à l'heure, j'ai trouvé horrible, et en le voyant animé sous d'autres angles, il est moins laid que ce que j'imaginais. Il fait moins de pot de fleurs. En fait. Il fait moins de pot de fleurs. Et le deuxième sujet pour moi, c'est le MagSafe. Ouais. Voilà, mes deux coups de cœur des annonces de la soirée. Alors par contre, le bleu. Hein, voilà. Sinon, je réponds à Hello Sun sur le chat. Est-ce qu'on peut le coller sur un frigo avec l'aimant? On fera le test. Là, ça marche avec l'iPad. Je pense que l'aimant sera coté. En partie, la plus grosse partie de la aimantée sera du côté du câble. Ce sera le post-it le plus cher du monde, quand même, hein, si tu le mets sur le frigo. Il ne faut pas quitter celui-là. Est-ce que tu peux t'en servir pour faire de la pêche à l'aimant? C'est clair. Je suis en train de vérifier une chose, les amis, parce que je me demande. On a parlé de 120 Hz pour les affichages et j'ai un doute. Sur la, le doute habite. La gamme Pro. Le doute habite. Ouais. Alors on va regarder tranquillement. Regardez iPhone. Les spécifications sur l'iPhone 12. On va prendre 30 secondes parce qu'on nous pose la question. Tu cherches shérif. Question chargeur. On le répète. Il n'y a pas de chargeur. Il n'y a plus de chargeur dans la boîte pour des raisons bien sûr environnementales. Hein, nous a expliqué Lisa Jackson. Non, personnellement, c'est une très bonne nouvelle. Chaque tiroir que j'ouvre, je me retrouve avec un chargeur. Par contre, ça veut dire qu'il faut un chargeur cette fois-ci USB-C. Ouais. Ou de mettre un petit adaptateur, hein, encore une fois. C'est vrai qu'il ne coûte pas très cher, je reconnais. Alors, j'ai regardé sur l'iPhone 12, il n'y a pas dans les spécifications de référence à du 120 Hz. Vous pensez bien qu'il le mettrait, hein, si c'était le cas. Donc, il n'y avait pas de 120 Hz sur l'iPhone 12, a priori, à moins qu'il n'ait pas... Pas sur le 12, non, pas sur le 12. Il faut voir, je pense, le 12 Pro. Et le 12 pas sur le 12 Pro, je regarde l'écran. Alors, j'avais une question encore, parce que les questions, on l'a déjà dit, hein, mais l'iPhone 12 Pro Non, il n'y a pas de 120 Hz sur le 12 Pro. Non plus. Non, d'accord. Pas de 120 Hz cette année, donc on s'est un petit peu emballé. Ah. Ça reste une spécificité de l'iPad. Je crois que ça aurait été... On regardera pour l'année prochaine. Oui, voilà. Alors, ça fera des petites évolutions. Exactement. Dernière question, peut-être, avant de passer au coup de cœur. Question de Samuel. Est-ce que le verre en céramique est plus résistant que le Gorilla Glass? Ça n'a pas été cité, bien entendu, puisque Apple ne se compare jamais. Il y passe. Il dit juste qu'ils ont été quatre fois plus résistants. Le verre n'est pas en céramique. Hein. Tu as vu ce qu'ils ont dit? Hein. Non, c'est une shield, hein, donc c'est un bouclier céramique. Hein. C'est une surcouche. Ouais. Regardez, si vous voulez tester, c'est pas très compliqué. Si vous avez une Apple Watch, sur l'Apple Watch, évidemment, le dos est en céramique. Alors, évidemment, je ne vais pas vous le montrer parce que la version, on ne peut pas défaire et c'est très pratique. Le dos derrière est en céramique déjà, donc a priori c'est quelque chose qu'ils ont expérimenté sur d'autres devices, d'autres appareils, mais c'est une surcouche, c'est pas, ça remplace totalement le verre. Mais bon, si vous le faites sauter sur du carrelage, je serais étonné qu'il résiste. Voilà, on a essayé d'être le plus précis, on a pris notre temps pour vraiment débriefer les caractéristiques techniques de ces différents iPhones. On a hâte de tester très rapidement le HomePod et puis voir si Siri a progressé. Est devenu plus réactif et plus intelligent, c'est surtout ça. Mais d'abord, si vous voulez bien, on va passer à vos coups de cœur. Alors, les coups de cœur, qui en avait prévu de passer en premier? Je ne sais plus, je suis très en retard sur mon déroulé de l'émission, parce qu'évidemment, on est resté sur les descriptions. Je crois que c'est Laurent qui prend la main. Oui, Laurent. Alors... Je suis pas certain de pas l'avoir déjà donné en coup de cœur, mais en fait il m'a été utile cette semaine. C'est une application, une petite application qui existe en version gratuite et puis on peut ajouter des add-ons qui s'appelle Bobby. En fait c'est un petit écureuil et l'idée c'est d'enregistrer tous ces abonnements. Et en fait on se rend compte qu'on en a plein d'abonnements, Spotify, tout ce qui est récurrent. Et il vous dit finalement c'est quoi votre encours annuel d'abonnement. Et en fait, en faisant l'exercice, je me suis rendu compte que j'avais plein d'abonnements, même de choses des fois que j'utilisais pas, ou que j'utilisais plus, ou que j'utilisais peu. Et en fait, ça m'a permis de faire le nettoyage, le tri de mes abonnements. Et je trouve que l'appli est très très simple. Hein, et ça permet de faire des économies. En fait, je me suis dit, si on fait un peu d'économies avec ce coup de cœur, on peut peut-être plus facilement se payer un iPhone 12. Parce que, non mais quand tu fais 20 ou 25 euros ou 30 euros d'économie par mois de choses que tu n'utilises pas assez et que ça te le rappelle, hein, c'est intéressant. Toi aussi, arrête de regarder Netflix et paye-toi ton iPhone 12 Pro. Voilà, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Merci Laurent. Damien, un hommage, je crois. Je peux rire. Oui, je t'en prie, vas-y.
Moi, je voulais faire un hommage pour un petit ange parti trop vite qui, ouais, s'appelle Jingo Speaker. Ouais. J'en ai eu un à la maison, je l'ai le toujours d'ailleurs. Speaker, l'enceinte d'Orange. L'enceinte d'Orange qui avait développé en collaboration avec Deutsche Telekom. Je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'était pas si mal que ça, ce petit speaker. Je l'avais à la maison. Ils avaient intégré Alexa dedans. Donc, c'était pas mal, sincèrement. Ça marchait pas trop mal. Et avec l'écosystème d'Orange, allumer le décodeur ou autre, je vous vois tous rigoler. Mais je vous vois. À travers le plexi, là, je vous vois. Je souris. Par contre, Stéphane, je trouvais qu'il y avait une idée intéressante. Non, plus sérieusement, on se fout de la gueule des Européens qui disent on n'a rien pour essayer de se battre contre les GAFA. Mais quand, et pour une fois, il y a eu la volonté d'avoir une initiative européenne, d'accord, en plus d'essayer de faire quelque chose, ça se vote. Comme Samsung s'est voté avec Bixby, et ben ça arrive, même au meilleur. Ouais. Et je voudrais juste dire que c'est un peu dommage, finalement, on est un peu schizophrénique sur le côté, on fait rien pour essayer de se battre contre les GAFA ou les BATX. Et puis quand on sort un truc, on rigole en disant bah ouais, mais ça tiendra pas la route. C'est dommage. Je me dis qu'ils auraient peut-être pu l'embrayer différemment, mais il y a eu. Ils ont essayé quelque chose et j'avais juste envie de rendre hommage à cet essai et parce qu'il y avait des gens talentueux qui ont travaillé dessus en plus. Je me permets juste de rebondir par rapport à ça quand même. Déjà pour dire, parce qu'on n'a pas signifié que l'HomePod mini est en précommande le 6 novembre et sera livré le 16 novembre, ce qu'on ne l'avait pas dit pour être complet, au prix de 99 euros. Donc là, cette fois-ci, 1 dollar et 1 euro. Je te regarde plus jamais sur ça maintenant. 99 euros, voilà. Sidéral ou blanc. Voilà, avec deux couleurs. Je pense que ça va engendrer pas mal d'achats de ce côté-là. Et moi, je dis, j'ai testé Jingo à plein de moments et à chaque fois, c'était la cata. Et j'avais trouvé. C'est pourquoi je te dis, j'ai trouvé pire que Siri, en fait. Alors, je dois reconnaître un truc, c'est que sur l'écosystème Orange, ça fonctionnait bien. Dès qu'on sortait de là, ça avait du mal. Ouais. Je reconnais. D'où le fait qu'ils avaient associé avec Merci. Dedans. Merci. Appelle Stéphane Richard, ça fonctionnait, mais c'est tout. Moi, j'ai un peu la nostalgie de Tabi. Vous vous souvenez de Tabi qui était la première tablette d'Orange avant l'iPad. Voilà. Mais c'est vrai. C'est vraiment le fait qu'ils aient essayé de faire quelque chose. Malheureusement, ils n'ont pas la force de frappe. Maintenant, l'appareil était sympa et passait plutôt bien. La qualité sonore était plutôt pas mal. Mais effectivement, tu as raison. Sorti de l'écosystème, ça fonctionnait mal. J'avais juste envie de faire un petit clin d'œil à cet appareil. Voilà. À bientôt. Ciao. On a bien les gens d'Orange en plus. En plus. Ça, merci Damien. Stéphane, puisque tu avais la parole, vas-y. Alors, il y a deux ou trois semaines, j'ai dit du mal. Non, mais j'ai parlé de Revolut et en gros qui rendait un peu has-been toutes les banques un peu classiques. Et donc là, il y avait deux applis qui rendent un peu has-been, par exemple Hertz, qui loue des voitures, qui sont donc soit Virtuo, soit tout cela qui vient juste de qui s'est lancé. Et tu peux louer une Model 3 à la journée, ou pour quelque chose, une Tesla, une Model 3 de Tesla. Tournage, voilà, qui est pratique. Voilà, et donc en gros, dans des parkings, pour l'instant sur Paris, je crois qu'il y en a dans quelques grandes villes françaises. Et je vous encourage à voir les prix aussi, parce que c'est des prix qui peuvent être très intéressants, parce que pour le prix d'une, vous pouvez louer une Tesla ou une BMW ou une Mercedes à 50 euros la journée, c'est pas ce prix-là pour chez un loueur. Et tout ça grâce à votre téléphone, qu'on ouvre la voiture, c'est avec ça qu'on l'éteint. Et donc tout est simplifié, et donc je pense que c'est l'avenir, et ça rend un... Ça coûte cher. Ça coûte beaucoup moins cher que les loueurs classiques, 50 euros pour une belle BMW. C'est Ubico en France qui fait ça. Qui Ubico fonctionne très bien. Ah oui, bien sûr. Mais là, la source, c'est pas des Mercedes et des. Ils ont élargi la gamme, mais effectivement, on n'est pas là-dessus. Je suis d'accord. Mais pourquoi j'étais intéressé, c'est qu'en gros, tout cela, en l'occurrence TOOSLA, peut permettre de louer des Tesla Model 3 qu'on peut tester. Et c'est une façon de franchir le pas un petit peu. Oui, il ne fût-ce que de partager de l'automobile. Allez, tu as une influence, bravo, félicitations. L'acheter, parce que c'est vrai que Tesla, c'est pas forcément... J'ai été grand utilisateur de Virtuo, déjà depuis le début, quand ils sont arrivés à Paris, ils étaient dans un parking. Oui, c'est vrai. Maintenant, ils sont dans plein de parkings. Et franchement, ça dépanne. Et surtout, parfois, c'est pas moins cher. Bien sûr, tu vas chercher le loueur dans un petit coin, mais en fait, tu réserves ta voiture, tu descends dans le parking, tu n'as pas besoin de clé, tu fais le diagnostic du véhicule, tu sais, prendre les photos des rayures et tout ça, ça se fait... Voilà. Oui, mais sauf que ça enlève, ça désangoisse ce moment-là, parce que quand tu vois l'appli, tu dis déjà tout ce qui est rayé à l'avance. Donc c'est franchement, non, je plus un. Je suis d'accord. Merci. Stéphane. De mon côté, mon coup de cœur, c'est tout simplement l'équipe d'En Refait le Mac qui n'a pas démérité. Toute la semaine dernière, vous avez vu la petite vidéo, le petit message qu'on vous a diffusé avant de... avant la fin du week-end, on a été obligé de démonter intégralement notre studio pour pouvoir vous proposer ce live ce soir, parce qu'on a reçu un nouveau modèle Tricaster, ce qui nous permet de produire cette émission. Ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas démérité, tout simplement pour le plaisir d'être avec vous ce soir. On n'avait pas forcément une obligation de le faire, on n'avait pas de sponsor, donc on pouvait très bien passer
Mais on voulait être avec vous ce soir, c'était important. On voulait commenter ce moment avec vous. Vous savez qu'on aime passer du temps avec vous. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on refait le Makela. Et on est vraiment très heureux et très flattés que vous nous fassiez confiance d'année en année. Un grand merci aux équipes d'On refait le Mac et je les applaudis très fort encore une fois. Bravo les gars. Voilà, c'est la fin de ce 384e épisode d'On refait le Mac. Déjà, merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes, encore une fois, d'On refait le Mac. Ils ont été au top. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un prochain RLM. On essaiera peut-être de débriefer, de revenir sur l'iPhone 12 grand modèle ou l'iPhone 12 Pro. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Voilà, merci encore d'avoir été si nombreux à nous suivre encore. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.